Michel Livre Noir. Vous êtes avocat et vous êtes l'auteur de Coup d'État, Manuel Insurrectionnel aux éditions du Diable Vauvert. Donc selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de Charles Maurice de Talleyrand. Je cite Dans les temps de révolution, on ne trouve d'habileté que dans la hardiesse et de grandeur que dans l'exagération. Est-ce que vous vous identifiez à cette maxime euh, Bonjour, merci de m'inviter. Je. Je crois au courage et à, et à la conséquence. Et je considère que les révolutionnaires de Salon qui euh, euh, font de, de cette notion un concept romantique complètement déphasé et en dehors des réalités sont, sont des inconséquents. Et euh, j'ai inauguré avec Crépuscule, qui est un texte qui, comme vous le savez, a, a provoqué beaucoup de remous, un vrai travail personnel aussi de, de détachement d'un certain nombre de croyances à laquelle j'avais été formé au cours de mon parcours. Qui consistait à m'accrocher à un, un système que je croyais démocratique et à, et à me, me permettre et me pousser à y trouver une place. Euh, ça m'a amené à accompagner les Gilets jaunes, après avoir accompagné Jeune Assange et quelques autres, et à écrire un ouvrage qui s'appelait Abattre l'ennemi, qui était euh, une conception de l'après. C'est-à-dire que si euh, une révolte comme celle des Gilets jaunes avait abouti, si les quelques mètres qui nous avaient séparés de l'Élysée avaient été franchis, quel était le projet politique qui aurait permis de réunifier la France et, euh, et de lui redonner un destin euh, au-delà des, des, brisures, des brisures partisanes pardon, auxquelles on est, on est confronté C'est un vrai travail d'élaboration euh, politique, extrêmement précis, hein, avec euh, même un plan de Paris détaillé, euh, où on reconfigure les institutions, on ouvrait Paris euh, au reste de la France à nouveau, à ses classes les plus populaires, ainsi de suite. Et il restait, en fait, après avoir dévoilé le fonctionnement non démocratique et complètement euh, spectacularisé de notre pseudo-régime politique avec euh, crépuscule, et donc cette conception de l'après, il, il restait à réfléchir au comment. Comment, en fait, provoquer cette bascule Comment s'assurer qu'un mouvement populaire comme celui des Gilets jaunes pourrait arriver à ses fins Et comment il pourrait euh, produire des, des conséquences Parce que si vous restez dans. On l'a vu là sur la réforme des retraites, sur. Euh, des débats absolument euh, incandescents et artificiels sur les questions des violences policières et euh, par ricochet du coup des violences des manifestants. On rentre dans une dialectique euh, qui est le plus méchant sur un jugement moral, une forme d'indignation complètement vaine. La... Euh, on ne cesse de dénoncer l'absence de démocratie tout en cherchant à faire évoluer cette euh, absence de démocratie au sein du jeu dont on dénonce les règles. Et en fait, ce que l'on fait lorsque l'on fait ça, c'est tout simplement chercher à trouver sa place dans ce système. Et c'est tout. Donc la question, c'est comment on sort de cette dialectique euh, infamante et comment est-ce que l'on propose véritablement en fait, des alternatives qui permettent au peuple de, de retrouver sa, sa souveraineté. Ça m'amuse par ailleurs que vous citiez Talleyrand, parce que j'ai une petite anecdote, mais qui, qui à mon avis est assez... Parce qu'évidemment, une des sources principales de... Cette forme de révolte qui m'habite par rapport à l'existence, c'est ma pratique d'avocat. Et, et la violence avec laquelle la justice en France traite ces populations, son incapacité à réguler la violence, pour le coup, et à ne pas fabriquer plus d'injustice qu'à en réparer. Et je représentais des victimes dans le cas du procès de l'attentat de Nice, une sorte de procès-spectacle complètement ridicule qui a été mis en scène à, à, à Paris donc déjà à plusieurs centaines de kilomètres des lieux, où on a essayé de trouver trois, quatre euh, boucs émissaires pour donner l'impression qu'une justice passait, alors qu'en parallèle, tout ce qui a trait aux responsabilités de l'État était complètement enterré. Ça m'a permis d'y interroger Hollande, Cazeneuve, Estrosi sur leur, leurs responsabilités respectives, en dehors évidemment du cadre, ce qui avait le don d'irriter beaucoup le, le président. Et je, je, Vous allez voir comment on, on retombe sur nos pattes, qui était fou furieux en fait, que j'essaye de, de, de mettre à nu cette mise en scène, en fait, cette, ce procès instrumental qui n'avait que pour fonction de donner l'impression aux victimes et aux Français que la justice faisait quelque chose, là où, en vérité, l'objectif était d'enterrer euh, le scandale qu'a constitué cet attentat et euh, la dérélection complète des autorités face à, face à cette violence euh, de masse. Et donc je fais ma plaidoirie, euh, qui est une plaidoirie où, où, où j'énonce vouloir le scandale. C'est-à-dire que au, au, au vouloir l'inverse de ce qu'ils étaient en train de produire, c'est enterrement de première classe de ce sujet particulièrement polémique, et chose extraordinairement rare, et, et quasiment unique dans un procès aux assises, le, le président a repris la parole après ma plaidoirie. Il s'en est excusé, il a dit lui-même, je le fais souvent, et je le fais rarement. Et il a dit, comme, comme le disait un, un grand penseur, tout ce qui est excessif est insignifiant. Or, cette euh, citation n'est pas d'un grand penseur, mais d'un homme de pouvoir plutôt de droite qui s'appelle Talleyrand. Et, et j'ai trouvé en fait dans, dans l'ignorance de, de ce pauvre homme bourré de tics, complètement perdu à l'humanité en fait et à, à son asservissement à ce système qui, qui va à volo, dans la citation even là qu'il a essayé de sortir pour, pour faire l'intelligent, sa confusion entre un penseur et un homme de pouvoir disait tout en fait de son positionnement idéologique. Évidemment, il n'y a pas de pensée lorsque l'on sert le pouvoir, lorsque l'on est à la position, par exemple, de, de ce président de cour d'assises, euh, Laurent Raviot, et de façon générale, lorsque l'on sert de quelconque façon hein, une avarie. Et, euh, et, et donc, com comme il n'y a pas de pensée, on confond euh, le penseur et, et le puissant. Vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous avons échangé principalement sur votre livre, mais aussi donc les tensions sociales et, et politiques suite à la réforme des retraites. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs et internautes. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, partager et aimer cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Je vous cite euh, l'article 412.5 du Code pénal. Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende. C'est ce que vous faites très clairement dans votre livre, si je ne me trompe pas. Ah, vous faites erreur, je, je ne dirige rien à, à partir de mon livre, et, euh, et, et dès lors, je pense ne pas être euh, concerné par, euh, concerné par euh, cette provision. Alors, je serais ravi. Est-ce que c'est cré... est -ce est le bon article Ce crépuscule avait déjà été signalé au procureur de la République par Aurore euh, Berger, qui était à l'époque porte-parole euh, du groupe euh, parlementaire En Marche, pour euh, provocation à commission de crimes et délits. Et euh, <laughs> elle avait eu cette phrase magnifique, comme quoi on peut être euh, poète malgré soi. Elle disait qu'il y avait pire que celui qui frappait euh, ou qui ordonnait les violences. Il y avait euh, celui qui armait les esprits. voyez Et, et, et j'en ai tiré une grande fierté, en fait, d'être accusé euh, publiquement et euh, qui a eu une tentative de la part d'un représentant du pouvoir de m'entraîner dans une procédure judiciaire pour avoir, supposément, armé les esprits parce que je trouvais qu'il y avait une forme d'aveu de leur part, euh, en fait, de la, de la puissance et de la véracité de ce texte. Euh, avec le présent que j'imagine vous avez lu. On rentre sur une dialectique plus frontale avec euh, le pouvoir qui a essayé depuis par mille moyens de m'éliminer. Il y a eu euh, des accusations de viol qui sont euh, absolument indécentes. Il y a eu avant euh, l'affaire Pavlensky. On a essayé de me faire passer pour euh, l'auteur euh, de la diffusion de la vidéo du sexe de Benjamin Grivaud, Grand traumatisme dans l'espace bourgeois parisien. On s'en est toujours pas remis et ça continue à, à faire trembler euh, certains esprits. Euh, je ne sais pas si étriqués ou qui se croient libertins. Euh, et, euh, et donc, avec à chaque fois des poursuites pénales, des tentatives de, de ce qu'on appelle d'assassinat de caractère, en, en, pour faire un anglicisme, c'est un terme qui provient des États-Unis, qui sont les grands spécialistes de ces manœuvres. En somme, une violence qui tentait de s'appliquer sur moi de, de façon croissante et surtout de façon de plus en plus sale. Et donc, euh, en fait, je serais quelque part ravi s'ils essayaient de me poursuivre frontalement, c'est-à-dire que s'ils assumaient la réalité des raisons qui les amènent à, à se comporter comme ils le font à mon égard et je n'aurai aucune difficulté à, à leur faire face devant un tribunal pour, euh, pour me défendre. J'ai euh, la chance d'être avocat, d'avoir fait des études, entre autres, de droit, et d'avoir assez conscience de, de, non seulement de mes droits, mais de mes capacités à, à porter un discours qui soit insurrectionnel ou révolutionnaire, si, si je le considère nécessaire. Donc, vous considérez que cet article ne vous concerne pas Non, parce que je ne me considère pas comme un, un dirigeant politique, en tout cas à ce stade. Euh, J'aimerais voir les dirigeants politiques faire preuve d'un peu plus de courage et, et se saisir de leur accès euh, qui est régulé par, par l'État. Vous savez, euh, lorsque vous avez un certain pourcentage dans les élections, on vous octroie des temps de parole et on distribue comme ça un peu euh, euh, l'accès à l'espace du visible, institutionnel du moins. Et, et ces personnes-là, en fait, devraient avoir la, le courage dans des situations comme celle-ci, où, où le peuple... Euh, se sentant euh, méprisés euh, pourrait avoir vocation, en fait, à, à transformer les, les modalités de représentation et de gouvernance, euh, à les inciter à le faire. ils ne le font pas parce que euh, ils ont peur, une peur tremblante, de, de s'effondrer. Je, je représente euh, au sénégal euh, m. Euh, sonko, qui est le principal opposant euh, au président en, en cours, et euh, on a tenté de l'éliminer par différents moyens. Euh, socialement, judiciairement, physiquement. Et maintenant, il y a une tentative, euh, à travers un procès en diffamation, de, lui de le faire condamner à une peine quelconque, dans le seul but de le rendre inéligible. Bien, je peux vous dire que le peuple sénégalais n'a pas tremblé au moment de sortir dans la rue pour défendre, non pas la personne qu'il représentait, mais à travers lui, la possibilité d'être représenté et de faire entendre leur voix. Et ils ont mis le pouvoir face à une telle difficulté que celui-ci a fini par sortir des armes réelles. Non, pas les pseudo-armes de guerre qu'on invoque dans les manifestations françaises, avec plusieurs morts à la clé. Et ça n'a intimidé personne. Ça n'a intimidé personne parce que lorsque votre liberté, votre souveraineté sont en jeu, et que vous avez des dirigeants politiques qui ont le courage et la dignité de considérer que ce sont des enjeux véritablement essentiels, que il ne s'agit pas juste de, de beugler sur les plateaux de télé ou à l'Assemblée nationale en, en prétendant à l'outrage de du peuple et de la démocratie sans en tirer les conséquences, bien évidemment, euh, il y a une, un esprit corps et une forme aussi de, de vitalité qui émerge au sein de la société et qui permet de, de, de mettre en place des rapports de force qui, qui font tomber les, euh, les systèmes dérivants. Et, euh, et je considère qu'en France, on est vraiment dans une, une configuration où il y aurait une légitimité à le faire, où ce que j'ai décrit comme un système oligarchique dans crépuscule, que j'ai essayé de détailler par la suite dans un certain nombre de conférences, ne laisse aucun espace à une représentation réelle des intérêts. Des Français, sans, et ne laisse aucun espace à un acteur politique sans qu'il entre dans des, des compromissions extraordinairement basses avec euh, des puissances de l'argent, notamment, euh, mais aussi des puissances idéologiques, et, euh, et du coup une forme de trahison par rapport au mandat qui, 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 qui lui ont été octroyés. Et d'ailleurs, c'était la, la, la déduction des Gilets jaunes après euh, le scandale de la taxe carburant, euh, et, euh, et qui a très vite débouché de façon extraordinairement. Intuitive et du coup intelligente de la part de, de ce peuple que l'on considérait sombre et inintelligent, euh, à des dispositifs de type RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, de mandat impératif et, et révocatoire, c'est-à-dire des instruments de démocratie directe qui leur permettent de ne plus être dépendants de, euh, de cette petite caste de représentants euh, parfaitement avariés dont ils avaient compris qu'ils ne pourraient plus jamais euh, honnêtement les représenter. Donc quel est l'objectif de ce livre D'État Donner des instruments au peuple pour euh, retrouver sa souveraineté. Alors, c'est un, une façon un peu. Euh, c'est une périphrase. Abstraite de le dire, mais <laughs> c'est un, un, un manuel, donc euh, euh, ça donne des, des instruments. Et ça permet de sortir de, de la théorisation intellectuelle euh, assez. Euh, J'allais dire infâme. Oui, elle est infâme lorsqu'elle euh, elle ne vise pas, en fait, à. Vous voyez, il y a une forme de satisfaction à, à, à dénoncer ou même à, à sentir que ce que l'on dit est pertinent et de trouver des personnes qui euh, l'écrivent ou, ou vous confirment vos intuitions ou ce que vous avez toujours pensé et on a une forme d'adhésion aux intellectuels qui passe souvent par ces mécanismes on essaie de regarder à la télévision dans des chaînes comme la vôtre euh, de, de trouver quelqu'un qui va dire euh, de préférence mieux que nous ce que l'on pense et dont on va considérer qu'il est suffisamment légitime pour nous donner un argument d'autorité pour ensuite pouvoir imposer cette, cette pensée à d'autres. Là, le livre, il a, il a deux aspects. Un premier qui est, qui est en effet analytique, qui consiste à voir quelle est la meilleure solution pour changer, sortir de l'ornière dans laquelle on est, on est plongé. Donc il y a, on analyse successivement l'élection, la révolution et le coup d'État, en essayant de peser le pour et le contre de chaque... De chacune des options. Oui, pour vous, il y a trois options. C'est ça. Et, et après, il y a les modalités pratiques. C'est un, un chapitre à part entière qui consiste à dire OK, bon, bah, dans le cas où on voudrait mener, euh, mettre en œuvre une révolution, quels sont en fait les, les outils qu'il faudrait mobiliser Quels seraient les, les points dont il faudrait s'assurer qu'ils soient neutralisés Et comment est-ce qu'on peut, sans violence physique, cest sans atteindre au corps, sans chercher à, 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 à embraser le pays au contraire, essayer de produire une transition politique vers un, vers un meilleur modèle. Et donc, ça passe par une organisation de... J'allais dire une organisation de la violence, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous pensez à envoyer vos charges oligarques dans un bagne au Kerguelen ou sous un plexiglas dans les, dans les bas-fonds de, de la place de la Concorde, c'est une forme de violence, évidemment. Mais l'idée, c'est justement d'institutionnaliser, c'est pas de... De créer une forme d'alali dans laquelle chacun pourrait se venger, ainsi de suite, créer une forme de, de désordre comme ça qui serait anarchisant et, et destructeur. C'est comment est-ce qu'on rétablit une forme d'autorité au sein de, cette, de ce pays de façon à mettre en, un, un coup d'arrêt au pillage systématique de nos ressources Parce que je rappelle quand même que l'État, la fonction principale de l'État, c'est de concentrer les ressources que l'on produit tous au sein du territoire, de les concentrer à Paris avant de les redistribuer. Dans un système idéal, cette redistribution elle se fait selon les préférences du peuple, et donc on décide collectivement de sacrifier un peu de notre bien-être personnel pour permettre euh, des projets collectifs qui, euh, qui, sur le long terme, nous rendront plus forts. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des ressources qui sont ainsi collectées sert en fait à créer des sortes de petites euh, aristocraties sans le talent, c'est-à-dire sans mérite, qui consiste simplement à s'alimenter. De, du travail et des ressources de, du reste des Français, et à vivre en courtisan dans une sorte de, de, de petite sphère que j'appelle le Petit Paris, et dans laquelle, en fait, par votre accès au pouvoir, vous allez pouvoir vivre avec un grand confort. C'est le cas notamment de la plupart de nos propriétaires de médias, qui sont, non sans hasard, des propriétaires de licences téléphoniques, donc des gens comme Xavier Niel, Patrick Drahi ou Martin Bouygues. C'est-à-dire que l'État leur accorde un droit à participer à un marché qui est celui du téléphone portable, qui est un droit très limité. Il n'y a que quatre personnes qui ont le droit d'intervenir sur ce marché. Donc, ça crée ce qu'on appelle un oligopole en économie, c'est-à-dire que vous n'avez pas de concurrence externe, vous êtes à quatre en concurrence et du coup, en fait, vous trouvez un accord tacite ou explicite sur les prix qui stabilise vos revenus et qui leur permettent d'engranger de façon récurrente des centaines de millions voire des milliards pour une raison très simple personne ne peut se passer de téléphone portable et vous n'avez que le choix qu'entre quatre opérateurs donc c'est une rente qui est évidemment extraordinairement désirée parce qu'en plus il suffit d'investir un peu au départ mais pas vraiment Xavier Niel par exemple il s'est contenté de piller les, les infrastructures de Orange les premières années il n'avait pas d'infrastructures en proche en propre pardon et peu à peu il a construit les siennes avec les bénéfices qu'il tirait euh, de, de cette participation oligopolistique pardon et donc euh, évidemment, beaucoup de gens rêvent de devenir euh, un de ces oligarques et d'avoir accès à ce marché. Et donc, ceux qui y ont accès sont redevables à ceux qui leur ont donné accès. Et qui leur donne accès à ça Officiellement, c'est l'ARCEP. En réalité, c'est les politiciens. En l'occurrence, pour Xavier Niel, ça a été euh, François Fillon. Et après, pour Patrick Drahi, lorsqu'il a voulu euh, racheter SFR et qu'il a racheté SFR, provoquant le licenciement de plusieurs milliers de personnes. Ça a été Emmanuel Macron comme secrétaire général de l'Élysée et François Hollande comme président de la République. Et c'était a été raconté par la main droite de Patrick Drahi, euh, donc le propriétaire d'SFR aujourd'hui. Lorsqu'il est reçu par Emmanuel Macron et, et François Hollande, on lui explique qu'en retour, il faut qu'il fasse un petit effort pour eux, qui les aident, et qui consiste en quoi C'était raconté dans un article de, notamment de Vanity Fair, de Sophie des Déserts, pour ceux qui cherchent des sources et qui euh, craindraient que, que je sois en train de reinventer une histoire tellement elle est, elle est fascinante. Et ça passe par quoi Ça passe par euh, le fait de racheter un certain nombre de médias, en l'occurrence euh, BFM, L'Express et Libération, ce qui va y permettre d'y placer euh, des têtes de pont, en l'occurrence euh, même Bernard Morade, qui était euh, euh, conseiller de Patrick Drahi, qui va devenir conseiller de Macron. Euh, pendant la campagne présidentielle et qui entre-temps euh, avait, euh, euh, avait des postes de responsabilité au sein de PFM, l'Express et, et l'IB, et qui ensuite, in fine, sera nommé à Bank of America, évidemment, en récompense des services rendus pour gagner euh, des fortunes, eh bien, euh, on y place des têtes de pont. Pourquoi Pour s'assurer que le traitement médiatique de tel ou tel candidat ira dans telle ou telle direction et que donc on pourra en, en assurer la réélection ou l'élection, ce qui permettra évidemment à Paris-Cochet de s'assurer que l'on gardera sa place dans cet oligo oligopole qui rapporte des, euh, des milliards. Et le coût d'acheter un média, de financement, financer un média, est si faible par rapport au bénéfice d'avoir accès à cette rente, qui est faite au détriment des Français, qu'évidemment euh, ils acceptent parfaitement. Et c'est pour ça que Patrick Drahi, qui ne s'intéressait pas du tout aux médias français, a investi dans ces médias et que ces médias ont pris progressivement cette orientation complètement traître par rapport à leur idéologie de départ, que ce soit l'Express ou l'IB où sont devenus tout simplement les relais du pouvoir les plus indécents, allant jusqu'à provoquer la nomination de Marc-Olivier Fogiel à la tête d'une rédaction, ce qui je pense est assez inespéré euh, au regard du parcours et de l'intelligence euh, de la personne, euh, sans que ça produise de scandale, parce qu'évidemment, tout cela se, se fait à bas-bruit. Et donc, on a une fabrique de l'illusion de la démocratie qui se met en œuvre, ça permet de propulser des personnes comme même Emmanuel Macron dans l'espace public sans aucune difficulté, de descendre des opposants si nécessaire, tout ça avec une forme de... Complicité passive des journalistes, qui pour la plupart en fait, ne s'intéressent pas à ces sujets, ne sont même pas conscients d'être. Euh, c'est la, la figure de, de style euh, qu'avait énoncé. Euh, enfin, le symbole, enfin, oui, symbolique qu'avait énoncé euh, Chomsky, qui disait écoutez, euh, euh, comment se rendre compte que l'on est euh, compromis lorsque l'on n'a pas les moyens intellectuels euh, pour ne serait-ce que comprendre dans quel système on agit Donc, euh, c'est un peu l'image de. Du chien et de la laisse. Tant qu'il tire pas sur la laisse, il se rend pas compte qu'il y a une laisse. Et s'il est très bien dressé, en fait, peut-être qu'il ne se rendra jamais compte qu'il y a une laisse. Et peut-être qu'on pourrait même lui retirer la laisse, parce qu'en fait, il, il aura appris à réfléchir et à agir dans un cadre que l'on aura déterminé nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe avec une partie des journalistes français. Je ne veux pas être insultant, mais, mais c'est ce qui explique aussi le niveau extraordinairement moyen de beaucoup d'entre eux, qui surprend les Français, qui se demandent pour, comment ça se fait que. On ne trouve pas des gens plus intelligents, plus fins, moins, moins partisans. Et en fait, euh, derrière, évidemment, une médiocralisation générale de l'espace politique français, parce que le niveau d'exigence baisse dans, dans l'espace médiatique. Euh, le niveau, euh, du coup, des politiciens qui réussissent à monter avec des manœuvres plus ou moins fragiles euh, baisse euh, par ricochet. Les Français se désintéressent du politique. Et le circuit de la corruption a ainsi commencé finit par dégrader. Euh, Jusqu'à s'étouffer euh, complètement. C'est pour ça qu'en fait l'hypothèse révolutionnaire ou insurrectionnelle, elle est, elle est déductive. Je suis pas du tout, enfin, euh, n'ai pas vocation à devenir révolutionnaire. Euh, je n'ai pas du tout un parcours qui m'y prête. Euh, je n'ai pas souffert euh, euh, dans ma chair euh, des violences que ce système produit. Mais, euh, mais en fait, par rationalité, par analyse, par déduction et surtout par découverte du fonctionnement à l'intérieur du système, c'est imposé comme une évidence. Donc, vous voyez, je suis pas dans une, euh, je suis pas une un sorte de, de chien enragé, euh, radicalisé ou compagnie. C'est très froidement que j'ai compris que ce système allait à sa perte et qu'il fallait cesser de participer à cette comédie euh, pseudo-démocratique euh, ou institutionnelle et, et reprendre la main sur, sur, sur nos devenirs. Vous disiez que votre action serait sans violence Sans violence sur les corps, c'est très important, bien sûr. Mais euh, euh, un, aucun pouvoir ne se laisse destituer euh, gentiment Non, il faut un rapport de force. Il faut évidemment un rapport de force, et j'établis les modalités de ce rapport de force. Euh, euh, mais euh, le symbolique peut être extraordinairement violent. Euh, la capacité, moi, je parle dans, dans, ce, dans ce livre, je reviens sur le geste de, de Piotr Pawlenski dont on a brièvement parlé, l'onde de choc extraordinaire de déstabilisation que cet homme a créé, tout simplement en rediffusant une vidéo produite par Benjamin Griveaux lui-même. Enfin, c'est pas c'est pas, pas, un, pas un, comme on a tenté de le dire un compromat ou une tentative de non, non, l'homme produit sa vidéo pornographique. Il envoie une jeune étudiante qu'il connaît à peine et qu'il a passablement maltraitée lorsqu'il a couché avec elle. Pour rester dans l'euphémisme. Euh, il en subit les conséquences quelques mois plus tard et, et tremblement, de terre, tremblement de terre, Et s'il n'y avait pas eu euh, la crise sanitaire, on en parlerait encore parce que euh, je me suis pour l'avoir vécu en, de première main. Ça a commencé le 14 février 2020 avec la dénonciation, avec la démission de Benjamin Griveaux. Et lorsque l'on est confiné, je pense que c'était le 16 mars, c'était encore en bandeau BFM en continu, donc près d'un mois à tourner en boucle sur la sexe le sexe d'un politicien de seconde zone. Donc, vous voyez, en fait, il est assez facile lorsque vous savez comment les toucher et où les toucher de mettre à bas un système. Évidemment, il faut un rapport de force, il faut des, des, des mobilisations populaires très importantes et il faut être chirurgical. Sur les points sur lesquels appuyer et sur lesquels travailler pour s'assurer qu'elle qu puisse réussir. Et c'est d'où la description extraordinairement précise et qui couvre l'ensemble du territoire que je propose dans ce texte, qui consiste à donner ces instruments pour que, le, le cas échéant, si jamais on se retrouvait dans une situation, c'est très important de le conditionnaliser, dans une situation où il y avait un mouvement populaire. Qui recueillait, comme c'était le cas pour les Gilets jaunes, près de 85% de l'assentiment de la population française. C'est-à-dire qui faisait en gros l'unanimité, à l'exception du bloc bourgeois qui ne se sentait pas concerné, voire inquiet que, que l'on cesse le pillage des ressources françaises. Eh bien, si jamais on retrouve cette situation, il faut absolument que cette fois on ait les clés pour retrouver notre souveraineté. Et il faut absolument qu'on ait cette préparation, cette maturité suffisante pour provoquer cette bascule. Et là, ça. Vous voyez les Black Blocs et, euh, et l'extrême gauche euh, sont assez déficients dans leur analyse politique, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est la confrontation directe avec les forces de l'ordre qui pourrait provoquer des bascules, alors que les forces de l'ordre ne sont qu'un instrument en fait, du pouvoir, relativement neutre évidemment, il peut y avoir des dérives ou ainsi de suite. Selon que vous formez plus ou moins bien, plus ou moins bien pardon, vos forces de l'ordre, elles vont être plus ou moins disciplinées, elles vont être plus ou moins capables d'autorégulation, elles vont être plus ou moins aussi capables de s'opposer à des formes d'ordre. Enfin, des formes d'ordonnancement de violence politique, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on demande aux forces de l'ordre, les forces de, on n'est pas face à un système de violence policière, on est face à un système de violence politique où le gouvernement décide de mettre en, en, un, mettre en place un rapport de force avec les populations et utilise comme pur instrument, presque neutre, vous voyez, transitif, les forces de l'ordre afin d'accroître cette violence ou pas. Et donc, évidemment, ce n'est c'est pas les forces de l'ordre qu'il faut viser, c'est derrière elles. Celle qui donne les ordres. Et, et moi, en fait, ce que j'essaie de réfléchir dans ce texte, c'est comment on contourne cet obstacle, cette violence légitime qui est exercée par jusqu'à 15 000 policiers, ce qui est très peu euh, sur l'ensemble du territoire dans les moments de tension les plus importants. Et comment est-ce qu'on évite une sorte de confrontation sanglante qu'un grand penseur de gauche avait déjà dénoncé, Pasolini, qui consistait à, pendant mai 68 à dire euh, Quand je vois les, les gamins étudiants de, de Saint-Germain-des-Prés et, et les policiers face à eux, euh, je vois des prolétaires qui sont agressés par des bourgeois. Enfin, vous voyez, donc on, on sort de cette, cette dialectisation stupide et qui en plus décale à chaque fois les débats et qui font qu'alors qu'on commence à avoir l'unanimité sur un sujet comme celui des retraites, tout d'un coup, on se retrouve à s'entre déchirer sur savoir lequel est le plus violent, etc. Et on bascule sur quelque chose euh et qui donne finalement raison au gouvernement. Oui, parce que le gouvernement finit en fait par, par, par récupérer la crainte du désordre qui habite une grande partie de la population, qui certes n'a pas envie de se faire exploiter deux ans de plus pour engraisser les plutocrates qui, qui nous gouvernent, mais qui n'a pas non plus envie de se retrouver dans une situation où elle, un, elle va avoir peur de, de, de participer à des manifestations, parce qu'il y a aussi cette, ce fantasme du riot porn, vous voyez, cette sorte de surdiffusion permanente des violences policières qui, dans lesquelles on reste fasciné. Et qui, parce que, Pourquoi est-ce qu'on fait ça parce que ça nous donne l'impression d'être dans le juste. Vous voyez, en fait, il n'y a plus de propos politiques. C'est juste, il y a le méchant, il y a le gentil, celui qui frappe et celui qui frappe pas. Or, souvent, c'est plus complexe. C'est le premier point. Et d'autre part, évidemment, ça, ça dépolitise complètement. Ça, ça nous sort en fait de, 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 du rapport de force qu'on avait mis en place et des enjeux fondamentaux qu'on essayait de, ben voilà, qu'on essayait tout simplement de, de, de soulever. Et donc là, il y, y a une forme de bêtise. Et l'autre bêtise, c'est que, je, que que je dénonce dans ce livre. En camarades, hein, sans, sans, sans présomption morale ou quoi que ce soit, c'est tout l'aspect anarchisant du comité invisible qui consiste à penser que les atteintes aux infrastructures et compagnies ponctuelles ont une quelconque utilité politique. Moi, je, moi, je les vois un peu comme euh, des bourgeois endimanchés qui ont envie un, un peu de se distraire et qui donc vont euh, essayer de couper des câbles ou de poser des catenaires sur. Et évidemment que la riposte politique est ridicule quand Nicolas Sarkozy et Michel Alliomari envoient 300 gars du GIGN arrêter 5. Euh, Cinq, cinq étudiants en philosophie qui sont à, à Tarnac parce qu'ils ont mis un quatenaire sur un TGV. Fait évidemment que tout ça est ridicule, qu'il faut le dénoncer, les mois de prison préemptives, etc. Mais il faut pas oublier le ridicule de l'acte initial aussi, qui consiste à penser qu'on va déstabiliser le système en allant ponctuellement sur un point donné, de temps en temps, saboter quelque chose. Non, le sabotage ne fonctionne que si s'inscrit en fait dans une dynamique révolutionnaire, c'est-à-dire dans des mouvements de type gilet jaune, et à ce moment-là, en effet, ça peut avoir un sens de, de produire ce rapport de, de force avec le pouvoir. Si vous si vous dégradez ponctuellement de temps en temps, et c'est vraiment un appel à, la, à, 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 à mûrir à, à, à ces individus, c'est-à-dire vous êtes dans une immaturité politique et une inconséquence extraordinaire. La, la stratégie de la tension, elle, elle ne marche que si vous avez une capacité à vraiment créer de la tension. Si vous cassez quelque chose pour que deux semaines après, ça soit réparé et que personne ne s'en soit rendu compte, sauf le Gus qui a perdu sa fibre pendant deux semaines pour bosser, vous, vous n'allez évidemment jamais créer d'adhésion au sein de la population, ce qui est quand même est un préalable important. Et surtout, vous n'allez avoir aucune effectivité politique. Donc là, on sort de ça, vous voyez. il enfin, y, y a une vraie bascule euh, et, qui rejoint en fait le discours que j'avais sur la question de l'intellectuel inconséquent. J'essaie de déconstruire aussi dans ce livre un certain nombre de de, de fabricants d'impuissance politique. Et, et moi, sortir du discours purement critique et essayer de tenter de proposer une alternative. Mais le plus urgent n'est-il pas de, de réconcilier les Français mais en fait, c'est notre objectif premier. C'est pour ça que c'est d'abaisser le niveau de violence au sein de la société. Je pense qu'on est... C'est vrai, vous avez raison de me reprendre parce que j'aurais peut-être dû commencer par là. En fait, le, ce, qui, ce qui me fait le plus violence aujourd'hui, c'est le sentiment de solitude généralisée. C'est vraiment c est, c est quelque chose qui, qui m'effraie au dernier niveau. Et, notamment parce que moi j'ai vécu à un âge entre parce que c'est quelque chose qui s'est installé récemment ces dernières années ces dernières décennies et que j'ai vécu à l'âge où théoriquement en fait il y a justement le plus d'émancipation sociale le plus de fréquentation etc entre les 20 et 30 ans et je suis dévasté de voir, du fait de décisions politiques, par exemple, à Paris, c'est euh, les, les, les politiques immobilières. C'est-à-dire, en fait, toute cette, cette politique monétaire qui, elle-même, alimente la spéculation immobilière, qui fait qu'il est devenu impossible de se loger en provenant de classes populaires, en étant étudiant et ainsi de suite, et a fortiori de construire une famille, de, et du coup de s'aimer, en fait, quelque part dans cette ville. Et ça, ça crée de la, un déracinement et une violence extraordinaire, par ricochet. Et, et vous allez avoir, et moi je suis convaincu, par exemple, que cette sorte de guerre civile qui a commencé à s'enclencher depuis quelques années autour des, des questions de genre et de, et de la violence et euh, conjugale, sexuelle, etc. Elle est en fait une répercussion de cette violence sociale que qui traverse cette société, de cette perte de sens et ainsi de suite. Donc la question, c'est très bien le discours, très bien de dire tout ça, qu'on est contre ça. C'est déjà important parce que nos politiciens sont clairement dans une bulle incapable de se rendre compte de la laideur qu'ils charrient et qu'ils produisent au quotidien. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on on sort de cette incantation et comment est-ce qu'on sort de de ces vidéos YouTube ou d'une façon ou d'une autre, on tient un discours qui va permettre de rassurer et de faire du bien aux gens, mais qui vont en fait n'être qu'un moment dans leur vie qui, elle, va continuer à se dégrader parce que le pillage, l'exploitation vont continuer à croître. Et donc là, on est obligé de penser sérieusement, euh, de façon structurelle, en fait, une rupture avec le système existant et d'essayer de transmettre des outils pour permettre à chacun de s'émanciper. Il ne s'agit pas, comme vous, vous l'avez vu, il ne s'agit pas de proposer dans, dans ce texte une sorte de de, de violences insurrectionnelles qui viendraient du haut, qui consisteraient... Fa... Il s'agit vraiment de rendre en fait des instruments à l'ensemble de la population française, leur dire voilà à, à l'instant T, c'est très important, c'est à un moment, C'est pas euh, commencez pas maintenant à faire n'importe quoi. Préparez-vous, organisez-vous, sur l'ensemble du territoire, vous avez les moyens de le faire, et à l'instant où, f... où vous pourrez enfin trouver la fenêtre pour, euh, pour provoquer cette bascule, eh bien engagez-vous engagez dans celle avec un sens de l'héroïsme et et du sacrifice, non pas au sens euh, « vous exposez pas au bal », mais euh, enfin, de, du rapport de force qui, qui sera... Euh, pourquoi, pourquoi cette dernière phrase Je suis désolé, je fais des tunnels, mais j'ai défendu un, un, un gamin de 18 ans euh, euh, qui avait jeté une pierre sur un, sur un CRS il y, a, il y a trois semaines, euh, lors d'une des manifs contre les retraites. Et en fait, j'étais très désemparé pour lui. C'est-à-dire qu'en en fait, il avait, euh, ils avaient les éléments pour le, pour le condamner. Enfin, il était démontré qu'il avait bien lancé la pierre. Donc, il allait se prendre une peine, il fallait juste éviter qu'il aille en prison. Enfin, vous voyez, 18 ans, pas de casier, il voulait devenir ébéniste, donc euh, éviter le drame de, de détruire cette personne envoyée en prison avec une peine avec sursis. Mais je me suis quand même dit mais euh, quelle tristesse Quelle tristesse de voir ce gamin euh, brisé. Euh, à la fois par impuissance ou par excitation, parce qu'on le pousse en fait à, à rentrer dans ces dispositions de rapport de force avec la police, etc. Alors même qu'il n'y a aucun encadrement potentiel de cette révolte, aucune façon de lui donner une, un effet politique. Et, euh, et je trouve que le discours de la France Insoumise reste dans un entre-deux, vous voyez. Enfin, C'est-à-dire qu'à la fois, on sent bien qu'ils essayent d'alimenter justement cette, cette chaleur révolutionnaire, de, de lui donner de la force et ainsi de suite. Cette stratégie de l'attention. Voilà. Et en même temps, sans, sans vouloir leur manquer de respect, et, 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 enfin ils restent planqués. Enfin ils sont là dans les palais de la République, ils sont relativement contents d'avoir accès aux ressources de l'État. Et il y a une forme d'ambiguïté là qui me semble potentiellement délétère, dont des gamins comme mon client dont je parlais à l'instant payent le prix en fait parce qu'ils se retrouvent un peu comme des sacrifiés de, de, de cette démarche et, et, et je trouve ça euh, je trouve ça désolant, en fait. Je trouve ça désolant et, et, et humblement, pour le coup, ce texte, même s'il si il il peut ne pas sembler être humble, a pour vocation à dire Moi, j'essaye d'éviter cette aporie, j'essaye d'éviter d'envoyer les gens euh, dans une situation intenable, j'essaie de leur donner des instruments et, et d'essayer de leur donner en fait, des clés de compréhension, mais qui leur permettent effectivement d'être efficaces politiquement. Vous semblez en vouloir à la France Insoumise Pas du tout, non, non. Vous avez été candidat, me semble-t-il. J'ai été candidat 2007. pour. Euh, ils m'ont soutenu pendant pendant législative en 2017. On s'était présenté. Euh, en fait, j'avais euh, envie de rendre service à Mélenchon, qui m'avait beaucoup ému. Qui, euh, était qui était votre client Qui est devenu mon client après. Euh, en fait, c'est des histoires de petit paris, mais. Euh, le, j'avais sorti un livre qui est une critique de la Cour pénale internationale en 2016, et euh, j'avais une éditrice très en vogue dans Paris qui essayait de me faire monter, Sophie de Closet, donc elle a réussi à me faire inviter à une émission qui s'appelle « Le supplément » sur Canal+, qui était présentée par Libadou qui faisait des portraits de ces de de, de intervenants. Donc j'avais eu le droit à 26 ans, un portrait de 15 minutes, très laudateur, qui, qui moi m'effrayait beaucoup. Enfin, J'étais déjà en, en tension par rapport à, à cette tentative d'absorption. Et j'étais sur le plateau avec Mélenchon, qui, qui lui aussi avait eu droit à ces 15 minutes. Enfin, C'est aussi pour vous dire le niveau d'importance qu qu que très rapidement il est possible d'obtenir lorsque l'on est dans les, dans, dans les bons chemins. La semaine d'avant ou deux semaines avant, c'était Emmanuel Macron qui était encore un, assez inconnu. Enfin, vous voyez, donc j'étais là-dedans. Et, et Mélenchon, semble, je pense, a été séduit, en fait, s'est laissé avoir par la fiction que créent ses émissions. Et il a essayé de me draguer à mort pendant des mois courant 2016 et moi, je n'avais pas du tout envie de me réimpliquer dans la politique institutionnelle. Et j'ai quand même été très ému euh, pe pendant la campagne euh, de, donc, de 2017, à la fois par son rapport à la langue française, qui est quelque chose d'extraordinairement précieux et d'extrêmement rare euh, au, au sein de cette classe politique complètement avariée. J'étais assez ému par son rapport à la Méditerranée. Il vient de Tanger, il est né à Tangier, Moi, je suis né dans le sud de l'Espagne. On voit le Maroc de chez moi. Très ému par son discours, donc sur sur ces questions-là. On a, enfin, c'est un peu. Je pense que j'ai raconté, mais on a pleuré avec ma mère, ma soeur, en l'écoutant. Et je pense que beaucoup de gens ont... aussi, parce que c'est quelque chose que votre votre camp, euh, évidemment, décide euh, de façon euh, volontaire d'ignorer. Euh, et, et genre, je vois bien les, les enjeux idéologiques, mais, mais il faut quand même prendre en compte la blessure extraordinaire euh, que produisent euh, les discours sur les politiques migratoires au sein d'une partie de la population qui euh, a tout fait pour euh, tout simplement euh, soit survivre, soit vivre et s'intégrer, et ainsi de suite, et se voit directement visée ou directement touchée par des discours qui peuvent être extraordinairement violents. Et, et c'est des choses qui peuvent se répercuter bien au-delà de, euh, de ce que l'on pourrait penser, y compris... Euh, euh, chez ma mère qui enfin pourtant est espagnole enfin voyez c'est pas pas quelqu'un qui vient du fin fond euh, du fin fond de la terre et qui du coup en fait a ressenti je pense comme beaucoup, beaucoup de personnes un grand soulagement quand mélenchon à ce moment là s'est adressé à eux en quelque part leur rendant hommage en disant euh, moi aussi je viens de ces espaces là moi aussi j'ai traversé la Méditerranée, et ainsi de suite donc moi j'étais très ému par, par ce discours et je lui écrit à ce moment-là, on s'était vu quelques heures euh, fin novembre 2016, où il m'avait demandé quels étaient mes personnages historiques préférés, etc. Donc j'avais aussi été touché par ce côté, vous voyez, l'ancrage dans un rapport à l'histoire et ainsi de suite, aux humanités en général. Et quels sont vos personnages Et moi, j'avais répondu, euh, il avait été très choqué. <laughs> euh, j'avais répondu, euh, euh, j ai, j ai, en fait, j'avais parlé de Louis XIV. Et, et il m'avait regardé comme ça. Mais, mais, mais bon, déjà parce que j'étais un peu pris de court. Enfin, vous voyez, c'est des questions qu'elle si, enfin, à moins de faire beaucoup de médias ou de, enfin, c'est comme des questions un peu bizarres qu'on vous pose pas au quotidien. Et j'avais dit parce qu'en fait, il a, il a, il a mis en place. Enfin, pour une seule raison, il a mis en place les fondements industriels d'une partie de la France qui encore aujourd'hui perdure, y compris par exemple l'industrie du luxe. Vous voyez, enfin, c'est quelqu'un qui a eu un rapport. Cette, cette centralisation de l'État, c'est-à-dire cette captation de ressources. Euh, euh, de la plupart des il, a, il, a, il a réussi à la rendre quelque part productive pour l'ensemble du pays. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, on était surtout sur des systèmes de pillage, d'accaparement, et ainsi de suite. Partiellement, évidemment, hein. il y a eu des excès. Tout ça. Bon, bref, qu'importe. Et donc là, j'ai écrit pour lui dire que j'étais prêt à faire ce qu'il voulait pour, pour essayer de lui filer un coup de main. Très effrayé déjà par Macron, que j'avais dénoncé dès 2013 parce que je suis de très loin. Euh, J'ai publié dès juin 2017 un long texte analytique sur les dangers que présentait cet individu pour la, pour la France. Et dans cette, euh, dans cette dialectique, dans cette difficulté, je me disais que là, il y avait quand même quelque chose à faire. Et, euh, et il m'avait dit, bah, écoutez, on serait ravis si vous pouviez vous présenter au législatif, par exemple, symboliquement, j'étais l'avocat de Wikileaks à cette époque, ça pourrait, euh, ça pourrait produire quelque chose. Donc il m'avait proposé quelques circonscriptions. Notamment à Saint-Denis, où il avait fait 40% dès le premier tour, donc où en fait j'aurais été élu sans difficulté. Et, et, et on n'était pas vraiment dans une vocation d'institutionnalisation. Et moi, j'avais une attache à Clichy-sous-Bois, euh, liée à Ziad parce que j'avais accompagné les familles de ces deux enfants qui avaient été morts électrocutés après une. Une confrontation à, enfin, avec des policiers. C'est-à-dire qu'ils les avaient soupçonnés à tort d'avoir braqué un, un, un chantier. Ils leur avaient couru après, ils ne s'étaient pas arrêtés et, et, du coup, on, et ils n'avaient pas essayé de les sauver. C'est un vrai, un vrai drame pour, pour, pour ces gamins et qui, ce qui avait provoqué les émeutes de 2005. De, de 2005. Donc je m'étais dit euh, j'ai un lien, j'y suis allé plein de fois, j'ai donné cours, etc. L'alliance Wikileaks euh, bourgeois-parisien, euh, et Clichy-sous-Bois et compagnie, symboliquement, ça, 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 ça a du sens. Il y a peu de chances qu'on gagne, mais ça nous permettra de. En plus, <laughs> à l'époque, personne ne savait qui c'était, mais il y avait un, un certain Jordan Berdella qui avait décidé de planter son, son drapeau de croisée à Clichy-sous-Bois et, et s'y était présenté dans la même circonscription que moi, et, euh, et qui avait de tenu, tenu des propos que je considérais assez affreux sur, sur cette affaire, qui était quand même un drame intime, important, enfin, et pour beaucoup de gens. Et, euh, et donc, on avait eu cette sorte de petit duel. Euh, euh, Amusant. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, donc j'aurais rendu service, j'étais très heureux de faire cette campagne. Et, euh, et ensuite, il m'a demandé d'être son avocat parce qu'il a été visé par un projet d'attentat terroriste. Euh, je l'avais fait également. Et après, on a, on a eu un désaccord sur, bah sur les perquisitions, sur sa réaction par rapport à ça, sur la ligne de défense que je voulais adopter. Et, euh, et donc j'ai décidé d'arrêter. Et je commençais à voir les limites de la chose, et, et surtout j'avais besoin de récupérer une forme de distance pour pouvoir publier Crépuscule. Et je sentais en fait qu'il euh, qu était réticent, parce que j'étais très associé à lui en termes d'image, très présenté comme l'avocat de Jean-Luc Mélenchon et compagnie, qu'un texte aussi radical sur le fonctionnement oligarchique des médias risquait en fait de le mettre en difficulté. Vous noterez qu'il n'en parle jamais. Il ne parle jamais de, euh, des rapports entre Niel, Bernard Arnault, Bolloré et compagnie et les médias. Et, euh, et ils n'ont pas du tout parlé de crépuscule, alors que théoriquement c'était euh, ma famille politique, et, et euh, ils se sont complètement tus sur le sujet. Et, et donc j'ai eu cette intuition de sortir, et, et ce qui m'a amené à pouvoir défendre les Gilets jaunes en toute autonomie euh, euh, dès la veille, de, de, dès le 16 novembre, ce qui est sur le plateau d'Arte, le plateau plus bourgeois que la télé parisienne, euh, même si euh, c'est à, à vous maintenant, euh, est en compétition avec eux. Euh, en disant qu'il fallait que ça prenne et, et en étant complètement de leur côté. Donc, donc voilà, ça a été assez heureux. Et donc j'ai pas de. Ils ont été franchement très corrects avec moi. Très, très, j'ai beaucoup de respect pour Mélenchon en tant qu'intellectuel. Un peu moins sur justement ses hésitations politiques, ses, ses flottements et ainsi de suite. Je pense qu'il est dans une impasse, qu'il mène le pays à une forme d'impasse. Enfin, enfin c'est Macron qui mène le pays en forme d'impasse, pardon, mais enfin, en tout cas, il, il mène l'opposition à Macron dans une forme de... Malgré lui, hein, ce n'est pas sa faute, mais le fonctionnement politique et médiatique tel qu'il est qu en place aujourd'hui ne tient pas. Et, et voilà, et euh, je suis assez heureux d'avoir une forme de liberté à l'égard de tout parti, de, de dépendre de personne, d'être souverain. Donc non, non, pas de... Voilà, je suis en désaccord avec plein de trucs qu'ils font, mais, mais ce n'est pas, pas une question de querelle euh, ou quoi que ce soit. D'accord. Vous avez évoqué donc, Louis XIV. Dans votre livre, vous citez aussi Napoléon et Charles de Gaulle ouais. comme les auteurs, donc, de coups d'État. Ouais. Donc, vous vous situez un peu dans leur ligne. Non, je sais pas de... Euh... Je pense qu'il faut une forme d'aveuglement à soi-même pour, pour devenir un personnage historique. Vous voyez, il ne faut, il faut, il faut, faut, faut pas avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur de, du délire mégalomaniaque qui, enfin, qui consiste. Enfin, nécessairement, quand, quand vous voulez devenir Napoléon, c'est qu'il y a... Quelque part, quelque chose qui, qui fonctionne différemment du reste de la population. Euh, je n'ai pas cette ambition particulière. Euh, et, euh, et par contre, je, je, je mesure l'importance que ces personnages ont eue euh, dans la façon de notre pays et, euh, et dans l'émergence de formes de, de beauté au sein de celle-ci. On pourrait, évidemment, on peut être très critique. Moi, je suis très critique de la décision de Napoléon pour des raisons purement économiques de rétablir l'esclavage. On peut, on peut rentrer dans, dans ces discours-là. Mais sur leur capacité à, à marquer de leur empreinte. Euh, euh, notre histoire, est, même esthétiquement parlant, quand j'ai plaidé, j'ai obtenu une victoire devant le Conseil constitutionnel, j'ai plaidé devant Laurent Fabius et Alain Juppé et compagnie, sur une annulation d'élection que j'essayais de fonder sur, le, sur la haute abstention, en disant euh, que ça n'avait plus aucun sens. Euh, tout le Conseil constitutionnel est, est encore. Euh, c'est drôle d'ailleurs que ce n'ait pas été actualisé, c'est encore les signes napoléoniens. Il y a encore le N dans les, dans les dorures, dans les portes. Euh, et, donc c'est dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'en deux siècles, on n'a pas trouvé d'esthétique de, plus puissante. Pour se substituer, et de grandeur, en fait, de monde grandeur euh, plus important pour, euh, pour ce pays, pour se substituer à, à cette construction qui avait été mise en place par, par Napoléon. Donc, ça, quoi qu'il arrive, en fait, il y a une forme de respect pour. Euh... Après, moi, je m'identifie euh, aussi à des responsables politiques très radicaux, enfin, ou non politiques, justement, de gauche, euh, euh, en France ou à l'étranger. C'est-à-dire des gens comme, comme Malcolm X ou autres sont des, sont des références absolues pour moi en termes de. Et, et, et je pense que je vais plus dans cette direction. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment de tenir une ligne éthique absolue, euh, d'engagement, d'une forme de pureté en fait, qui me permette d'aider les gens en fait à s'émanciper. C'est ça mon objectif, plus que d'essayer de les diriger, de les orienter. Je ne pense pas avoir cette ambition. Vous n'aimez pas le pouvoir C'est difficile d'aimer le pouvoir hein, de façon générale et en particulier dans, dans, dans la situation actuelle. Le considérer comme une, une nécessité. Euh, devoir l'accepter et, et, euh, et éventuellement, pour le coup, comme des personnes peut-être comme De Gaulle, euh, à un moment donné, euh, euh, se mettre euh, en position de l'exercer, c'est une chose. Mais le désirer, c'est pour moi un, un symptôme euh, disqualifiant d'office. Euh, il faut, c'est d'une, le pouvoir, c'est la, 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 le politique en général, c'est la gestion de la conflictualité. Et donc, en fait, c'est se retrouver par volonté au croisement de toute forme de violence. Et, euh, et, et donc, euh, il faut avoir un réflexe sain de mise à distance et, et de le considérer qu'avec nécessité. Par contre, il ne faut pas être inconséquent. Si à un moment donné, euh, l'histoire vous appelle, il faut y aller. Il faut y aller parce que vous ne pouvez pas abandonner des personnes qui, à un moment donné, ont besoin de vous. Et c'est ce que je fais, et ça me coûte, hein, en, en tant qu'avocat déjà. La, la violence qu faut, que ça suscite, de devoir porter la parole que je porte devant des tribunaux et de devoir défendre des personnes comme celles que je défends, elle est extraordinaire, mais... Elle est nécessaire parce que sinon vous laissez en fait un corps euh, potentiellement atteint et, et dégradé. Vous écrivez, nous n'avons jamais été aussi près du coup d'État. C'est-à-dire On est dans une il euh... y, 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 y a deux dimensions. Il euh, y a le coup d'État considéré comme un... une révolution de palais. Euh... Et, et, et c'est l'ébouillantement des, des milieux de pouvoir qui peut le susciter. Et il y a ensuite à côté la conscientisation d'une partie euh, du peuple de ce qu'on le prive de souveraineté effective, directe ou, ou, ou par représentation, qu'importe euh, nos considérations sur euh, la pertinence d'être sur un régime de démocratie directe ou indirecte ou représentative, ce n'est pas le sujet. Donc ils sentent cette déprise sur leur souveraineté et euh, une nécessité existentielle lié tout simplement à leur capacité à survivre, encore une fois à leur capacité à aimer, à désirer, euh, qui les amène, dans un premier temps, à s'indigner, à vouloir lutter, à se rebeller, ce qui explique une partie des violences euh, qui émaillent les manifestations actuelles, à s'entredéchirer, ce qui est aussi le risque auquel on est confronté aujourd'hui de façon toujours plus présente, et à un moment donné, à prendre conscience euh, de la nécessité de s'organiser pour renverser le pouvoir, plutôt que pour se détruire. Et euh, on en est, à mon sens, à un moment de cet ordre. Et mon ouvrage a vraiment vocation à tenter de faire pencher la balance euh, du côté de cette bascule par l'organisation du peuple, plutôt que de la dévastation euh, que l'on voit monter et naître depuis des années. Vous dites ah, qu'on est, on est déjà en Garcia. Il y a... Y a une, pour moi, encore une fois, euh, la reconfiguration actuelle, ce que l'on pourrait avoir espéré comme une reconfiguration actuelle, par exemple, sur la question de, de rapport entre sexes, s'apparente euh, de plus en plus à une guerre civile. C'est vraiment une destruction mutuelle qui euh, abat le désir et, euh, et la capacité à, à se relier. C'est très dangereux. C'est très dangereux, alors que ça aurait pu être en effet un mouvement émancipateur, ça pourrait le devenir encore, qu'importe, mais il y a, et qui pourrait évidemment protéger... Euh, les femmes de, de violences extraordinaires qu'elles peuvent subir, euh, un certain nombre de communautés aussi, y compris au sein de, des communautés LGBT, qui sont euh, statistiquement celles les plus prones euh, à subir des violences, y compris à l'intérieur des, des, des relations euh, de couple. Et, euh, et pour moi, c'est un symptôme. C'est un symptôme parce que quand vous commencez à vous déchirer sur quelque chose d'aussi fondamental que la, la façon de se lier à l'autre, c'est que tout le tissu sociétal est déchiré. C'est une guerre ouais. des sexes euh, on, on est en train de rentrer... Non, non, j'espère pas. Mais on est en train d'essayer d'infiltrer... Euh, un rapport de violence, paradoxalement, enfin, vous voyez, en, essaie, en prétendant vouloir le, le, le guérir, qui est extraordinairement dangereux. Ça, c'est un, un premier point. Et, euh, et donc, symptomatique de quelque chose de plus général, qui est en effet une, une dissolution du lien social. Vous voyez, par exemple, sur la politique migratoire, moi, j'ai euh, une inquiétude extraordinaire par rapport au discours sur, les, sur le grand remplacement. Pourquoi Parce que ma thèse, elle porte sur les violences de masse. Euh, si, en fait, ma... C'est pour ça aussi que ce texte, euh, tout, toute une articulation de la, de la réflexion sur la notion de violence. Euh, toute, toute ma vie, jeune vie, euh, je l'ai passé à essayer de réfléchir à la question de la violence et comment l'éviter. Parce que je suis quelqu'un qui, qui a toujours réussi à sublimer, je n'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie, je n'ai jamais euh, eu le, la tentation même de le faire. Pourquoi Parce que j'ai toujours eu des instruments pour... Euh, pour sublimer les moments de colère et compagnie parce que j'ai été élevé dans un milieu où, où on peut en être protégé ainsi de suite je l'ai subi quelques fois mais mais je pense de façon assez assez faible relativement à beaucoup d'autres personnes ok donc à partir naturellement moi je me pose la question qu'est-ce qui suscite qu'est-ce qui engendre les violences de masse au sein d'une société qu'est-ce qui va faire qu'on va basculer on va s'entre déchirer on va finir par commettre des violences génocidaires ou des crimes de l'humanité etc et l'un des éléments fondamentaux euh, dans l'autorisation à cette violence c'est cette... Le discours, et en particulier euh, le discours qui crée une menace existentielle, fantasmatique, euh, qui permette aux individus de se dire Ok, maintenant c'est moi ou eux, en fait. Parce que si c'est pas, si pas moi qui prends les armes le premier, je vais être la première victime et mes enfants vont le venir, etc. Et le grand remplacement, c'est un. J'accuse pas ceux qui l'ont théorisé d'avoir eu cette intention, mais a pour effet en fait, d'autoriser ce, ce rapport, en fait, de de violence vis-à-vis -vis de l'autre parce qu'on a créé une menace existentielle sur notre devenir, notre civilisation, et ainsi de suite. Or, pour moi, et donc j'en reviens à la question de ma position sur la politique migratoire, la crise que l'on connaît extraordinairement violente sur ces questions, qui est là aussi une forme d'entre-déchirement, qui, qui, qui n'est pas d'ordre de, de la guerre civile, mais qui pourrait euh, éventuellement y amener, euh, il est avant tout lié, moi j'ai une analyse entre guillemets de gauche par rapport à ça, c'est-à-dire au dépérissement complet de l'État qui fait qu'on n'a même pas les moyens euh, de, de gérer en fait euh, ces flux migratoires de c'est pas tant d'accueillir ces d'intégrer de, 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 in, dans des structures les personnes qui arrivent sur le territoire de s'assurer d'une part qu'il y a un filtre relatif évidemment mais surtout que une fois que l'on est sur le territoire français et eh bien en fait on va être Impliqués dans les structures qui vont nous amener à apprendre la langue française, à développer des compétences qui vont nous permettre en fait de nous intégrer au sein de la société, de devenir des, des individus utiles et ne pas basculer euh, rapidement dans des circuits parallégaux, que ce soit de trafic divers ou variés, ou de devenir anomique, en fait par incapacité d'intégration. Donc, moi, je suis un vrai étatiste. Alors, je crois fondamentalement dans la capacité de l'État selon sa, sa capacité à investir et à construire des structures, à s'assurer. Et évidemment, lorsque vous avez un effondrement général des services publics l'effondrement général de l'école, les l'effondrement général des hôpitaux, etc. Ça devient d'autant plus compliqué de faire cet effort supplémentaire pour les primo arrivants, mais qui est pourtant essentiel parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous créez potentiellement des ennemis demain, des gens qui en fait vont susciter de la violence ainsi de suite parce qu'ils n'auront pas eu les moyens de de, de s'intégrer ainsi de suite et la volonté et, et je suis pas du tout d'accord avec le discours de droite ou d'extrême droite qui consiste à tout mettre c'est un discours cohérent, parce que ça, ça met toujours l'individu au centre, la volonté. On ne peut pas dépendre de la volonté lorsque l'on vient du, je sais pas, de, euh, de la Mauritanie, euh, qu'on ne parle pas français, qu'on qu s'est enfui un peu avec euh, trois années. ou qu'on est un migrant économique de la classe moyenne de Dakar, mais qui, pareil, on n'a pas les codes pour s'intégrer, ainsi de suite. Donc, l'effondrement de l'État provoque non seulement la crise migratoire, mais euh, l'entre-déchirement de la société française au sujet des questions migratoires. Et la fixation sur ces questions. Quand vous rajoutez à ça les violences économiques terribles qu'on a subies après la crise de 2008, de 2011, maintenant le Covid, etc. Il y a évidemment une nécessité de purgation de cette violence. Et là, elle va là vous avez l'éventail. Vous allez avoir ceux qui euh, euh, vont basculer dans la violence au sein du couple ou de la famille, violence intraconjugale qui explose et compagnie. Ceux qui pour éviter ça vont retourner à la violence contre eux, vont se suicider ainsi de suite. Ceux qui vont chercher le bouc émissaire. Et évidemment, la figure de l'étranger, de l'autre, va devenir une forme de fixation assez, assez. Euh, euh, instrumental pour pouvoir, évidemment, surtout si s'est alimenté, ou enfin, si on arrive à avoir un discours politique cohérent, conséquent, et ainsi de suite, elle va se retourner contre les véritables responsables de notre malheur, c'est-à-dire nos dirigeants. Et elle va nous permettre de refaire peuple, mais à travers, à travers évidemment, des, euh, des manœuvres insurrectionnelles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de questions identitaires à poser sur les questions religieuses et compagnie, etc. Mais ça aussi, je réponds ça à l'extrême droite. Écoutez, les cocos, si. Euh, si, si euh, si d'autres religions ont un attrait si important, y compris au sein de nos populations, il faut peut-être se poser une question sur nous, quel modèle spirituel on a à proposer à nos populations Comment ça se fait en fait que cet effondrement à la fois de l'idéal républicain, des idéaux qui l'ont précédé et qui l'ont nourri aussi, qu'ils soient euh, chrétiens, catholiques et ainsi de suite, euh, protestants ou autres, comment ça se fait qu'en que, que, qu en fait on est, est désarmé complètement euh, face à euh, bah, un, un idéal différent du nôtre, qui ne euh, correspond pas forcément à nos traditions, ainsi de suite. Et comment ça se fait qu'on rentre, c'est un vrai reproche que j'ai pour le coup à extrême droite, dans un discours victimaire par rapport à ça, et non pas un discours justement qui s'assume et qui reprend l'offensive en disant Mais non, mais nous, nos valeurs, c'est ci, etc., na, na, et on, on va recréer du désir par rapport à notre modèle de société. Notre crise, pour moi, c'est une divergence d'analyse, elle est avant tout une crise de, de nous-mêmes. De faiblesse. Oui, c'est ça, de, et, et d'incapacité. De, 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 à ressusciter, y compris pour nous-mêmes, une forme de désir, de, de, de rapport de puissance et compagnie. De virilisation Non, pas de virilisation nécessairement, parce qu'il faut. Enfin, c'est ce que j'ai tout un. Vous l'avez vous vu, j'ai toute une partie sur la France. Enfin, la France, c'est une chose très sensuelle, à mi-niveau. Il n'y a pas du tout besoin, justement, d'en passer par le rapport de force à chaque fois. Au contraire, c'est notre échec en Afrique de l'Ouest. C'est d'avoir joué la virilisation, d'avoir pensé qu'en fait, c'était en envoyant des militaires qu'on allait réussir en fait à rétablir une forme d'influence et ainsi de suite alors que la crise de la France en Afrique qui s'est complètement effondrée sous le mandat d'Emmanuel Macron elle est mais complètement à des niveaux inattendus et c'est un scandale euh, enfin, dont personne ne parle elle est liée avant tout à notre impuissance à proposer quoi que ce soit aux populations euh, sénégalaises maliennes et compagnie c'est-à-dire qu'on arrive on fait les gros bras on dit oui, oui on va vous aider contre les djihadistes et compagnie nanana on se retrouve finalement... On finit par interviewer le chef d'Acmi, parce que sais pas si vous avez vu sur France 24 là, il y a deux semaines, enfin, c'est des inversions peut, après avoir prétendu qu'on le combattait, qu'on était que c'était notre ennemi premier. Et, et en fait, on n'a on a plus les ressources économiques, on n'a plus les capacités créatives, on n'a plus la capacité à, aussi à, à fabriquer du, du, du désir par, par la culture, par le savoir, par, par l'art. La, Paris, au, au début du XXe siècle, était riche de ses de immigrés. Il était riche de Pablo Picasso, il était riche de, de tous les grands artistes, Kandinsky et compagnie, qui sont tous venus en fait en exil sur ce territoire. Alors l'extrême droite va me répondre « Ah oui, mais c'est parce qu'ils étaient catholiques, etc. » Mais non, mais allez, allez plus loin que ça. Y a, pourquoi Parce qu'en en fait, Paris pouvait encore accueillir des espaces populaires, pouvait encore les mêler à des gens qui étaient… Il y avait encore plus… Il y avait du mélange, c'était la capitale du monde. Donc nécessairement, en fait, on intégrait beaucoup plus facilement et surtout, on, pou, on pouvait les rendre français et, et après en tirer une force qui nous est rayonné, Ça fait 50 ans qu'on qu a complètement perdu ça. Et moi, ce rapport à la France, il me vient beaucoup, en fait, l'une des dernières grandes incarnations de la France. Vous voyez, qui a rayonné à l'échelle mondiale. C'est quelqu'un qui était très très proche de ma famille parce que ma famille travaillait dans le cinéma. Euh, C'était Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Vous voyez, si vous regardez quelles sont les dernières personnalités françaises qui, qui ont réussi à avoir cette puissance et, et, et cette influence, parce que vous avez des joueurs de foot aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout le même impact que ça avait avant, parce que certain. à travers des acteurs, on, on porte un mode de vie, on porte un discours, on porte des films, on porte toute une vision de la société, une culture. Et, et, et je vois, voilà, et je vois avec cette personne qui m'a qui m'a construite, qui était qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire de, à mille niveau pour moi, euh, avec avec son effacement par, par l'effet du temps et son non remplacement par des filles. Enfin, je vois l'effondrement d'une idée en fait. Il euh, faut rappeler que moi je suis né en Espagne d'un père es portugais et d'une mère espagnole, c'est-à-dire je, je je vis dans un rapport de désir et de fantasme puis par rapport à ce pays qui n'est pas le mien au départ. Vous voyez, j'étais naturalisé à 20 ans et donc et et, et j'ai la chance dans cette configuration-là, alors que mes parents venaient de milieux modestes, de par la chance que leur a offert la France, de fréquenter, de rencontrer, de me nourrir de certaines des personnes qui ont le plus fait rêver et rayonner la France dans le monde. Et ça crée une forme d'exigence naturelle vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de nos politiciens, vis-à-vis -vis, enfin, du discours qui, qui me laisse très seul et vulnérable à plein de niveaux. Mais qui, 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 qui fait que pour moi, la seule façon de bah, montrer à la hauteur de ces espaces et, et de ces héritages, c'est voilà, de, de tirer des conclusions de là où on va et d'essayer vraiment de, de réfléchir à tous les moyens par lesquels on pourrait quelque part sauver ce pays. Ouais. Donc les moyens de recouvrer sa souveraineté. C est, c est, c est, c est en le fait, c'est un discours souverainiste que vous tenez. Mais, mais complètement, parce que. Mmh. Mais complètement. Mais, 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 euh, mais je les pense moyens que, de la puissance. Vous voyez, les, les, les divergences que j'ai exprimées par rapport à, à, à la droite dure ou l'extrême droite, enfin, qu'importe comment on l'appelle, euh, c'est des divergences euh, qui sont fondamentales, qu'il s'agira de traiter, mais il faut d'abord avoir les moyens de sa souveraineté pour pouvoir avoir ces délibérations, ces discussions et comprendre quelles sont les solutions. Et là, là, on pourrait avoir des débats politiques. Là, l'Assemblée nationale servira peut-être à quelque chose de nouveau. voyez, là, on pourrait à nouveau se confronter et, selon, et suivre les désirs des populations dans le cadre de débats qui ont été organisés pour savoir s'il faut avoir adopté telle ou telle politique. Aujourd'hui, on est une sorte de mélasse où ces questions-là, en fait, et ça a été, euh, pour moi, c'est pas un hasard si pendant les gilets jaunes, toute la phase des gilets jaunes n'a pas parlé de migration. Pourquoi Parce que l'idée c'était d'abord, on remet en place le système. On, on, on remet en place un système dans lequel on peut discuter, on peut délibérer, et ensuite on traite les points de tension qu'il y a au sein de la société, que ce soit la répartition des richesses, enfin les questions identitaires et ainsi de suite. Mais dans un premier temps, en effet, comme vous, comme vous repreniez ce terme, il faut recouvrir sa souveraineté. Sinon, euh, si on se laisse décider par des élites euh, qui sont, qui sont nulles, je les connais, je les, enfin, je les ai fréquentées, j'ai été reçu par Ashton, euh, qui est à l'époque la haute représentante. Euh, de l'Union européenne, la Commission européenne avec, euh, avec le procureur de, de, de la Cour pénale internationale. C'est des, des gens qui, qui sont d'une. C'est des instruments, quoi. Donc on, on y met des gens d'un niveau vraiment médiocre, de façon à s'assurer qu'ils suivront bien euh, les ordres qu'on leur donne, ou qu'ils qu maintiendront le système tel qu'il existe. Et évidemment, ça nous amène à, à un effondrement qui, pour le coup, là, est européen. Mais justement, est-ce que le pouvoir est, est vraiment à Paris et pas à Bruxelles moi, j'ai toujours été très marqué par... Enfin, j'ai toujours trouvé ça franchement ridicule qu'un président de la République puisse passer, par exemple, deux jours d'affilée à Bruxelles dans des réunions interminables, et dont j'imagine même pas à quel point elles doivent être sans intérêt, pour mettre en scène des sortes de débats, pour savoir s'il faut sauver telle banque ou telle banque dans le cadre de la crise financière, puis après la politique migratoire. Enfin, moi, président de la République... Pardonnez-moi, mais, mais je, 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 je ne m'abaisserai jamais à quelque chose de cet ordre-là. Enfin, j'envoie mon... Enfin, vous voyez, mon ils, envoient d ils envoient d'abord oui, le Sherpa. C'est <laughs> ouais. magnifique. Ils envoient leur Sherpa après avoir fait rencontrer leurs ambassadeurs qui eux-mêmes en fait, font suite à des comités. Il y a même... Vous imaginez qu'ils ont quand même théorisé la comitologie. Enfin, c'est C'est comme les Shadow. Au, au, au sein du droit de l'Union européenne, que je connais très bien, que j'ai travaillé vraiment en profondeur, c'est un de mes sujets de spécialisation. Il y a tout un, tout un versant du droit de l'Union européenne qui s'appelle la comitologie et qui consiste en fait à, à, à tout ce travail préparatoire. Ah, ça. ah oui, non, c'est pas, pas un terme. C'est un terme officiel et, et qui c'est tout un aspect préparatoire de délibérations de, qui vont ensuite être couronnées entre guillemets par les chefs d'État. Mais ça, à la limite, qui est tout un travail préparatoire. Évidemment, ça crée d'énormes problèmes de réactivité, notamment face aux crises. Et ça, ça nous a coûté la deuxième crise, après celle de 2008, de 2011, où en fait le monde entier voyait son économie redémarrer. Et l'Europe a une nouvelle fois coulé, en partie du fait des dogmes complètement délirants de Trichet, qui est quelqu'un qui devrait partir en prison de ce fait, mais aussi de l'incapacité. De, de nos dirigeants politiques à se mettre d'accord dans des systèmes relativement efficaces. Mais bon, donc il y a des actes préparatoires à la limite, tout système fonctionne comme ça, mais qu'on abaisse la fonction du plus haut représentant de l'État jusqu'à le faire mettre en œuvre lui-même ces négociations pendant des heures, enfin, je veux dire, il y a quand même aussi un truc d'inculture historique terrifiante qui se voit non seulement dans la désincarnation des lieux, euh, des institutions européennes qui sont c'est des meubles Ikea, enfin rien ne va parce qu'ils n'ont pas de culture commune enfin c'est comme dans les billets où on a des on a dû mettre des, des bâtiments imaginaires parce que enfin on a tellement peur de l'histoire tellement peur de l'identité pour le coup au sens noble du terme qu'on en arrive à, à se dire bon bah il faut qu'on crée des faux ponts pour pour vexer personne mais il y a aussi cet aspect euh, oui d'abaissement à, 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 à perdre perdre un temps fou au lieu de au lieu de, de faire comme tous les dirigeants politiques ont, ont toujours fait, c'est-à-dire en fait, euh, d'autres personnes préparent pour vous, et vous, en tant que figure d'incarnation, vous arrivez pour signer, pour marquer le moment, et de façon souveraine, parce que vous portez votre peuple avec vous, et vous repartez. Et vous repartez, vous laissez cette trace pour l'histoire, vous ne vous abaissez pas à, à, à des querelles de chiffonniers pour négocier, en plus sur des, des points qui, en général, sont d'une technicité qui, qui, qui n'est pas conséquente par rapport au niveau. Euh, qu'on s'en sert à voir nos dirigeants. Ça, c'est un, un grand méfait euh, qui a été créé par Merkel. Merkel adorait faire ça, qui a, qui a vraiment aggravé en fait, cette dérive de, de la politique technocratique bruxelloise, et euh, qui est parfaitement déficiente. Et là, c'est marrant, parce que moi, c'est un point de désaccord théorique, mais qui nous fait nous rejoindre. C'est ça qui est extraordinaire. Est... Donc, moi, avec un ami, pendant des années, on a travaillé sur les politiques migratoires de l'Union européenne en Méditerranée centrale, entre la Libye et l'Italie. Et on a considéré qu'au regard du statut de Rome, donc, qui a créé la Cour internationale, euh, il pouvait être qualifié de crime contre l'humanité. Vous voyez, le fait de laisser mourir volontairement des gens, parce qu'il y, y a eu cette partie, hein, les gens oublient, mais il y a eu vraiment une partie qui consistait, notamment poussée par Bernard Cazeneuve, euh, que vous défendrez peut-être, mais moi, pour le coup, euh, je suis en opposition frontale avec ça. Il a laissé des gens mourir, ils ont décidé de laisser des gens mourir volontairement au milieu de la Méditerranée pour envoyer un effet signal euh, à ceux qui se retrouvaient en, en, en Libye. Une sorte d'exemple. Mais, mais enfin, assumé comme tel Voyez vraiment en disant euh, peut-être que ces images vont, 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 vont réduire l'effet d'appel qui est Et par ailleurs, ils ont lourdement financé des milices libyennes pour créer des camps euh, de détention euh, en Libye, pour, euh, pour les parquer en fait sur place, et essayer d'assécher comme ça les flux migratoires. Donc, on regarde ça d'un point de vue de juriste. On voit que ça considère, on considère que c'est un crime contre l'humanité. On fait la communication. Ça a foutu un bordel monstre, pardonnez-moi, c'est un peu vulgaire, mais on a été entendu au congrès espagnol, au Bundestag, na, na, parce que pour la première fois, en fait, un outil qui était fait pour domestiquer les autres populations se retournait contre la CPI, se retournait contre, contre nous-mêmes. Et comme moi, j'ai travaillé un an à la CPI là-bas, j'avais quand même assez d'éléments pour, pour pouvoir justifier du sérieux. Et donc, on est parti sur une deuxième phase, une fois après ça, qui consiste à dire OK, mais qui a ordonné ces, ces crimes culpités Et donc là, on s'est lancé dans cette aventure folle qui consiste à dépioter le processus décisionnel de l'Union européenne. Comité par comité, pour le coup, vraiment. Déta... C'est pour ça que quand je dis que je connais bien, c'est vraiment que je. Donc j'ai passé ces quatre dernières années, une grande partie de mon temps, de façon euh, non visible, à vraiment éplucher tous les documents euh, qui ont été produits par, depuis 2013, par les chancelleries à Bruxelles, par les ambassades, pour comprendre en fait comment on était arrivé à ce truc délirant et comment on était arrivé, quel que soit pour le coup notre position idéologique sur le sujet. Euh, qu'on soit pour ou contre, qu'on est arrivé à cette crise extraordinaire qui a à ce point tendu nos sociétés. voyez, Certains en, étant, euh, en disant qu'on était débordés d'immigrés, euh, euh, d'autres à l'inverse disant euh, c'est impossible qu'on les accueille pas comme ça, qu'on les laisse mourir et compagnie, et du coup un entre-déchirement extraordinairement violent. Et en fait, une des, trucs, une des conclusions que j'ai, évidemment, il y, y a un aspect volontaire qui consiste en fait à, à, à dépolitiser le sujet. Voyez à, 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 à... Donc en fait, on, on crée les conditions d'une catastrophe. Et, et mais, mais personne s'arrange pour que personne soit responsable mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la dysfonction fondamentale des institutions européennes qui ne sont pas capables de réagir à la crise en fait c'est un, devenu une technostructure tellement immense, avec tellement d'employés, tellement de structures sous structures, étapes de validation aux compagnies Anna, que dès que vous prenez une crise, qu'elle soit monétaire ou autre, vous êtes, ça se paralyse en fait. Et on l'a vu pendant le Covid. On a vu pendant le Covid, et du coup en fait ils ont fini par court-circuiter le truc avec les contrats de Pfizer complètement scandaleux euh, où on a payé trois fois ce que payait le Brésil pour les pour les doses qu'on avait qu'on avait pris. Une sorte de précipitation dans la... et ça n'a pas marché non plus. Et donc en fait, structurellement, l'Union européenne est incapable de répondre à la crise, de de, de proposer une gouvernance saine et elle nous coûte une fortune, donc je suis devenu euh, anti-Union anti -européen, anti européenne, enfin je pense honnêtement que ça, ce bousin n'a plus aucun sens, et, et, et je pense qu'il serait important pour les Français de réfléchir aux façons d'en sortir. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'à partir d'une position théoriquement diamétralement opposée à la vôtre, et, et, mais il y a un moment donné, quand, quand il s'agit de l'outil, de l'instrument, on peut se dire, ça marche, ça marche pas, à point, objectivement, enfin, quelle que soit notre pensée sur, sur l'orientation idéologique que l'on devrait avoir par la suite. Après, je pense que aussi il y a peut-être une, une perception commune sur les origines de cette crise, la Libye. <laughs> ça, c'est encore... Mais on a même évité ça, vous voyez, on n'est pas rentré dans, évidemment, la responsabilité délirante de, 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 de Nicolas Sarkozy, de ses acolytes. Moi, j'aime pas parler de la responsabilité de Bernard-Henri Lévy, parce que, pour moi, le fait que ce, cet homme est un rôle... Enfin, euh, signe une défaillance extraordinaire de l'appareil politique qui nous gouverne. En fait, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que cette personne devrait être considérée comme un guignol, un clown que personne n'écoute. Point. Et qui et continue. Et la plupart, la, la plupart des gens euh, le considèrent comme tel. Mais pour une raison qui nous échappe, au sein du petit Paris, il a une telle influence et une telle capacité à peser sur les décisions publiques que il est devenu inévitable. Là, son, son film là, sur l'Ukraine, où il y a eu 900 spectateurs en tout, je sais pas, ou 1500. Euh, vous regardez le public qui assistait à ces avant-premières, c'était Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, Gérard Arrault, tous les ambassadeurs et compagnie. C'est-à-dire que tout le petit... Enfin, il y, y, y a eu plus de membres de la technostructure que de citoyens qui ont vu ce film lourdement financé par des structures publiques. Mais ils y vont gratos en plus. Ils y vont gratos. Et, 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 euh, et donc, et à partir de là, vous comprenez que c'est un problème de la soi-disant élite. En fait, ce n'est pas un problème du peuple français qui, qui comprend parfaitement ce qui va et ce qui va pas et qui est cap parfaitement capable euh, euh, d'identifier un imposteur. On est sur un problème d'endogamie de, et de corruption qui atteint de tels niveaux qu'en bah, que, en fait, ils n'ont même pas peur de, de ce genre de mise en scène parce que, bah, parce que tout simplement, euh, ils, ils savent qu'ils n'en paieront jamais les conséquences. En tout cas, ils pensent savoir. Ils Donc, pensent savoir. Vous n'avez pas trop répondu à ma question. Est-ce que c'est l'Élysée ou c'est Bruxelles qu'il faut destituer bah, c'est pas une pirouette hein, mais je pense qu'il faut juste ressouverainiser le pays donc il faut, il faut donner des instruments au, au peuple pour euh, gouverner pour peser plus directement sur le pouvoir Et évidemment pour faire ça il faut rapprocher le pouvoir du peuple donc euh, Bruxelles c'est loin enfin, pas au sens géographique du terme mais c'est loin au sens, au sens où hein, la population française n'a pas de prise directe sur Bruxelles donc moi je suis, je suis vraiment pour une, une Europe des peuples moi je pense vraiment qu'il faut reconfigurer des alliances euh, euh, ponctuelles, euh, sans passer par cette technostructure bruxelloise. Oui, clairement, non, non, mais ça, j'ai aucun, aucune ambivalence à cet égard. Peut-être que j'aurais pensé différemment si la Commission était restée à Paris, mais euh, enfin, là, dans, dans l'état actuel des choses, et avec la colonisation euh, euh, des, de la technocratie euh, euh, européenne, par, euh, par à la fois, dans un premier temps, les Anglais et maintenant par les Allemands, euh, enfin, en plus, même, même, même si on pense en termes de pur rapport de force, on est complètement écrasé. Donc, euh, donc ça n'a aucun sens, oui. Et donc vous, vous exposez aussi dans votre livre un programme assez souverainiste et transpartisan. Quelles sont euh, vos principales exigences Oui, parce que moi j'ai pas vocation à des idées au nom du peuple français. Enfin, voyez, enfin même en même en théorie, sans, sans me mettre en position de pouvoir. Euh, je, je cherche pas. À, on, on cherche pas ni moi ni, ni, ni les personnes qui travaillent avec moi. On cherche pas à remplacer qui que ce soit. En fait on cherche à. C'est vraiment. C'est vraiment. Enfin. Et les Gilets jaunes m'ont vraiment transformé politiquement. Vous voyez. Je suis passé du, du côté un peu petit marquis, qui, parce qu'il a fait les grandes écoles, je sais pas quoi. Il est convaincu qu'il a, il a la science infuse sur tout. La conscience de classe. Voilà. Non, ouais. Alors j'ai pris une, j'ai une conscience de classe. Du coup maintenant, enfin, de, de mon appartenance à une forme de classe et de la violence qu'elle suscite ainsi de suite. Et surtout, j'ai compris l'importance de ne pas me prononcer au nom d'eux. Enfin, le drame de, de ce pays, c'est qu'on parle au nom d'eux systématiquement. Vous voyez, il y a une prise. Donc, moi, je peux me permettre de porter les jugements dont je vous fais part sur des questions qui ne sont pas idéologiques, finalement, qui sont des questions, en fait, de gouvernance, de gestion, et ainsi de suite. Et, idéologiquement, la seule chose que je m'autorise à dire, c'est qu'il faut rendre, il faut rendre à la fois des ressources, des capacités de décision au peuple français, et lui-même, en fait, lui faire confiance pour réorienter, en fait, la politique de notre pays. Et il faut construire les conditions d'information du, du peuple français, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce système médiatique oligarchisé, il faut sortir de notre dépendance aux GAFAM. Vous pouvez du jour au lendemain être écrasé euh, par une décision qui sera prise à des milliers de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, euh, les États-Unis n'y ont pas intérêt, mais il pourrait très bien y avoir demain, et vous disparaissez. Vous disparaissez du jour au lendemain. Donc ça, il faut, il faut absolument, c'est une urgence démocratique fondamentale. Je vous cite, alors, service public, démocratie directe. Sécurité, honneur, justice, dignité, liberté, souveraineté. C'est pas compliqué, hein, se, se, se faire soigner, euh, avoir enfin en droit une éducation qui nous permette de maîtriser la langue française, qui nous permette d'avoir un, un chérissement par rapport à, 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 à notre terre. C'est aussi comprendre bah, dans quel ancrage on est. Enfin, je, je l'avais dit, je pense la dernière fois que j'étais venu, mais le fait qu'on ait cessé du jour au lendemain d'enseigner euh, euh, les, euh, les, les questions relatives. Euh, euh, aux religions et en particulier euh, aux évangiles. Dans enfin, le fait religieux, mais ça reste très, très... Mais c'est sidérant quand même. Comme, 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 enfin, en fait, parce que non pas qu'il faille ou non être religieux, mais c'est juste qu'en fait, vous, vous créez une terre digne. Des gens qui, pendant, qui, qui sont nés sur une terre qui, pendant 2000 ans, était structurée par une, une pensée, parce que c'est une pensée, euh, la, la pensée euh, qu'elle soit catholique, chrétienne, enfin, qu'importe, et, euh, et qui se fondait sur des textes euh, qu'on a... Que des générations et des générations se sont transmises, ont élaboré, ont commenté, ainsi de suite. Et en, du jour au lendemain, en quelques générations, enfin, combien, combien, combien de personnes de ma génération ont lu les évangiles Encore une fois, il ne s'agit pas de, de forcer la croyance, il ne s'agit pas de dire que c'est ce qui devrait nous guider politiquement, etc. C'est juste, si on ne sait pas qui on est, ou en tout cas d'où on vient, comment vous voulez vous projeter, vous construire Et, et euh, ça, c'est. Enfin, pour moi c'est une pensée enfin, franchement c'est une pensée de gauche parce que c'est une pensée émancipatrice voyez ça consiste à dire euh, il, il faut se connaître soi-même avant de, avant de vouloir et sinon en fait on rentre dans des euh, dans un abêtissement général qui, euh, qui, est, qui est extraordinairement délétère Justement la gauche est plutôt à, à la déconstruction. Avant la construction. Voilà, mais la déconstruction, il faut il faut savoir ce qu'on déconstruit. Moi je, moi, je suis, moi je suis très, vous savez moi je, moi, je, 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 je suis extrêmement critique de Foucault, mais, mais, mais à partir d'une déférence, je commence en fait par dire extraordinaire ce qu'il a fait, et après je je, 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 je trouve insupportable, mais, 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 mais c'est la dernière phase de rayonnement intellectuel de la France avant les nouveaux intellectuels la déconstruction que ce soit Derrida Foucault et compagnie c'est Deleuze Deleuze surtout c'est des gens très importants c'est des gens très importants parce que en fait ils ont pris au sérieux leur rôle vous voyez, Foucault, il a, il a dérivé sur la fin. Il a, il a commencé à vouloir la jouer intellectuelle publique et donc il a ouvert la voie au BHL et compagnie. Il y a eu cette phase où euh, il allait en Iran, il a commencé à dire ah, « les ayatollahs, c'est génial, je sais pas quoi enfin, mais ». Mais ça s'inscrivait déjà dans quelque chose. Il n'y a pas eu que cet épisode, vous voyez, où il commençait à... Mais, mais Deleuze et compagnie, et évidemment tous ceux qui les ont précédés, ce n'est pas pour rien qui, que, que le monde entier les a lus et les a appréciés. Et, alors, évidemment, dans le cas des États-Unis, ils se les sont appropriés pour, pour en faire n'importe quoi, mais... Mais, euh, donc donc j'ai un vrai respect à leur égard. Euh, et, euh, mais en effet, justement, des gens qui en fait, partaient de structures pour les dé dé déconstruire, et pour du coup essayer d'en réfléchir d'autres. Euh, si on ne part pas de, de ces structures de départ, euh, on s'effondre, on s'effondre et on, on se fait la guerre. En fait, et la violence naît, et ça croît, et, et on finit par, euh, par, par, par se retrouver dans des situations comme, comme celles que l'on vit aujourd'hui. Donc vous parliez de religion. Est-ce que vous êtes catholique ou de tradition catholique moi, je viens du sud de l'Espagne, hein, donc euh, je veux dire, c'est des terres où, euh, où on fait encore euh, des processions euh, qui sont assez intenses, voire très très intenses. C'est des terres aussi où il y a pour la Semaine Sainte, pour la Semaine Sainte principalement, mais aussi euh, pour le 15 août, le 15 août pour l'Assomption, ainsi de suite. Il y a, il y a des euh, mais c'est aussi des terres où il y a des corridas encore, c'est quelque chose qu'on euh, qu ne supporte pas dans de plus dans, dans certains dans certains espaces. C est, c est, en fait, c'est des endroits qui vivent encore en résonance avec leurs terres, justement. De moins en moins. C'est catastrophique. En quelques années, mon... euh, ce qui était un village et qui est devenu une ville où je suis né euh, enfin en train de se transformer en Mykonos. Euh, enfin, C'est atroce. Mais vraiment, enfin, je suis en train de le voir là. Vous voyez, Donc, ça résistait. Et, et tout d'un coup, vous, vous commencez à voir toutes ces, toutes ces, ces hordes de touristes on ne peut pas les qualifier autrement avec ces bars qui ne sont faits que pour eux, ces hôtels de luxe sur la place euh, où il y avait des orangers. Et... Et vous basculez d'un monde où euh, votre famille regardait encore la météo tous les jours parce que bah, ils vivaient en partie de petits terrains qu'ils avaient avec des orangers, des citronniers et compagnie, à une sorte de qui nourrissaient localement avec les pêcheurs aussi et compagnie, à une sorte de monstre euh, monstre contemporain euh, où bah, voilà où tout le monde va faire ses courses au Carrefour, euh, enfin, qui importe des trucs. À... Ça, ça, ça je le vois au Portugal, incroyable. Moi, on vient d'un village de pêcheurs. Du, enfin, on en, Votre père Ma famille, voilà ouais, ouais, La famille de mon père avait un, 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 un petit espace dans une, dans une presqu'île de pêcheurs qui est resté très préservé, qui depuis quelques années est devenu un spot de surf. Euh, donc, euh, donc là, on a le désastre urbanistique euh, que, 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 que le reste de la planète connaît, c'est pour commencer, des trucs euh, construits par Nazaré, des oui. euh, près très près de Nézare, euh, à Péniche. Et euh, maintenant, <laughs> donc à l'époque, évidemment, avec toute une industrie euh, pêchère... Enfin, ben, Pêcher, n'importe quoi pardon alliotique, euh, alliotique, oui. ouais enfin euh, des ressources halieutiques locales qui étaient exploitées voilà on va, on va dire ça de façon technographique technique mais euh, bon bref il y avait il euh, y, 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 y avait un, une localisation de la production et, et, et là la dernière fois que je suis allé bah pareil maintenant c'est un intermarché et euh, ils nous proposaient des, des poissons euh, euh, je pense qui, qui venaient du chili alors qu'on est vraiment sur une des zones où en fait le, le Enfin, les plus riches euh, de, du Portugal et qui ont, qui ont, ont nourri euh, en ressources halieutiques, justement, euh, euh, la nation. Et là, je me dis, compliqué quand même. Vous êtes dans un village de pêcheurs et en fait, les, les seuls poissons qu'on vous propose ont été pêchés à 5000 km, euh, au chalut. Enfin, ça, ça commence à devenir très, très, très violent. Et, euh, et ça, moi, je suis peut-être la dernière génération à le voir. Euh, on est la dernière génération en Europe euh, qui a encore quelques enracinements dans des lieux qui n'avaient qui pas été atteints. Il y avoir encore les campagnes, une partie des campagnes, de, de... mais, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est une richesse euh, les traditions, c'est une richesse euh, euh, même la foi, enfin la croyance euh, encore une fois, sans vouloir euh, la réinstaurer ou en faire un instrument politique. C'est des choses qui, qui permettent des transmissions, des, euh, des compréhensions de l'autre qui, euh, qui nous manquent potentiellement, fondamentalement. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un aveuglement vis-à-vis -vis du modernisme. Enfin, là, c'est vraiment des discours qui sont assez attendus, hein, enfin, qu'on connaît, mais, mais, mais qu'il est important de... En tout cas, que moi, j'ai vécu personnellement. Et c'est clair que ça m'influence beaucoup. Ouais. Vous parlez de, justement de libre circulation des biens. Ça pose aussi la question de ben la, la libre où, euh... circulation des, des personnes. Euh, oui, mais que, quelle est la problématique principale Est-ce qu'on enfin, est, qu est d'abord sur... Moi, pour moi, la problématique principale... Euh, c'est euh, le fait que aujourd'hui, chacun d'entre nous a besoin d'un nombre euh, x d'esclaves pour euh, pouvoir continuer à vivre comme euh, vivaient il, il y a trois générations euh, ses parents. Enfin, sans avoir justement à mettre en place ce, ce travail d'exploitation, en tout cas vis-à-vis -vis de, de, de la production de biens. Parce que c'est vrai, en fait, qu'il y a une phase assez courte en France où on est passé. Euh, d'un régime qui, euh, bah, qui envoyait à la mort euh, des dizaines de milliers de prolétaires pour aller exploiter le charbon et compagnie, et qui n'hésitait pas à donner de la troupe pour, pour les dresser. Donc il y avait un vrai régime d'exploitation euh, de quelques-uns pour, pour, pour produire des richesses nationales. Il y a eu une phase d'émancipation à cet égard quand on est passé vers le pétrole et le gaz, donc, euh, à partir des années 50, et le nucléaire dans un second temps. Et, mais très vite, en fait cette substitution de l'exploitation et, et, et de la richesse, et des sources de richesse, a fait qu'on a commencé à exploiter à distance. Et, et pour moi, le grand drame aujourd'hui, c'est les masses d'esclaves du Bangladesh qui, qui nous permettent de, en fait, de, de maintenir notre niveau de vie. Ce qui fait, ce que je décris, c'est un, un moment très important du livre, qu'on est devenu une sorte de contre-maître de la, de, de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a un état, étage intermédiaire entre les élites dominantes, qui, elles, bénéficient largement et puis sans, sans limite, qui appartiennent principalement à des empires, notamment chinois et états-uniens, principalement. Nous, dans cet espace intermédiaire où notre commodité, notre confort dépend de l'exploitation de tiers, et dont il nous est demandé de s'assurer que cette exploitation va continuer. Vous voyez, donc on est éthiquement sur une position un peu ambivalente, où c'est vrai que si on fait une révolution qui nous sorte de ces systèmes intégrés de marchandisation et de mondialisation, bah en fait, on risque d'y perdre beaucoup à court terme. Euh, D'où la nécessité, c'est ce que je pense dans ce livre, de, de la question d'une émancipation des peuples qui ne se limite pas à la France. C'est pour, pour ça que la, ma défense de Ousmane Sonko au Sénégal est très importante pour moi. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a choisi aussi, parce qu'il va probablement devenir le président du Sénégal l'année prochaine. Et l'idée, c'est de, de se dire, OK, comment on sort des systèmes coloniaux, néocoloniaux, qui est en gros d'exploitation des ressources par les élites, qui ne bénéficient qu'aux élites et aux classes dominantes et compagnie. Comment on crée à nouveau des alliances de peuples euh, qui nous permettent de nous souverainiser, mais par des investissements mutuels, vous voyez, et par une régulation des flux, par le fait qu'on n'ait pas besoin de prendre des barques pour ne pas aller aux Canaries quand on est Sénégalais pour essayer de fuir la misère, mais qu'au contraire, on, on retrouve des équipes dans le rapport et qu'on investisse. Euh, moi, je pense que. Parce que sinon, on va. Eux, ils sont mal barrés, et nous, on va, on va, on va bientôt, enfin, bientôt perdre le peu qu'il nous reste de souveraineté de de ressources parce que une fois qu'ils nous auront pillé enfin une fois que les États-Unis et la Chine et compagnie ben enfin on deviendra leurs esclaves comme les Bangladeshais aujourd'hui le sont donc c'est pas aussi c'est pas qu'une disposition éthique en mode euh, sauvons euh, le, les pauvres asiatiques du Sud-Est euh, ce qui est qu y a le discours un peu débile gauchiste des années 90 début des années 2000 c'est euh, Kouchner. Okay, – ouais comment, ouais ou, ou Kushner oui pour tout ce qui était de l'Afrique aussi comment est-ce qu'on sort enfin comment est-ce qu'on évite un sort similaire au leur et ça, ça passe par un travail avec eux pour le coup. On a besoin en fait de, de, de construire ensemble euh, cette alternative. Et justement, est-ce que la guerre en Ukraine illustre cette désoccidentalisation du monde C'est encore trop tôt de le, pour le dire parce que euh, peut-être que ça illustrera le détachement des États-Unis de, de l'Europe occidentale surtout. Peut-être qu'en fait, ils vont oui, finir oui. par. Ben ben oui, bah, peut-être qu'à terme, en fait, ils vont finir par nous, nous soumettre complètement. Ah, oui. Vous voyez, enfin, il y, y a vraiment cette possibilité que. Parce qu'ils ne font rien pour nous aider, les États-Unis, là, par rapport aux conséquences de la guerre en, en Russie euh, et en Ukraine. Enfin, ils, ils nous poussent à aller toujours plus dans, dans le soutien aux autorités ukrainiennes. Mais euh, en ce qui concerne les conséquences économiques, alimentaires, que ça peut avoir pour le coup aussi pour une partie de l'Afrique et compagnie, là, c'est dé « débrouillez-vous ». Et eux, entre-temps, la machine tourne. Ça leur permet de faire tourner leur marche, la machine à construire des armements, à, 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 à créer des, des pré-relais et ainsi de suite. Exactement, en fait, la politique qu'ils avaient adoptée après la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall. Et nous, un peu minablement, on essaie de s'accrocher à ça. On vient de créer un poste de délégué à la reconstruction de l'Ukraine, ce que je trouve relativement prématuré, si je peux me permettre. Ou en fait, le seul objectif... De la cette... comité de tautologie. Oui, mais cet objectif qui consiste en fait à quoi À rafler un maximum de marchés euh, pour essayer de piller à notre tour les Ukrainiens euh, une fois que, que la guerre sera finie, ou même si la guerre n'est pas finie, parce qu'on a peur de perdre notre place, un peu comme ce qui s'était passé en Irak. Mais on voit bien qu'on va nulle part avec, euh, avec cette direction. Et... Euh, et moi, si on, si on réfléchit un peu plus profondément que, que nos dirigeants actuels, un des grands dangers de cette guerre, euh, c'est l'asiatisation la, de, de la Russie. Enfin, on, continue, on, on continue de penser que cette énorme expansion territoriale qu'est la Russie est inamovible, euh, la fragilisation de la Russie dans l'ampleur qui est en train d'intervenir, parce qu'il n'y a pas, pas d'alternative possible. Là, il n'y a pas d'alternative au pouvoir de Poutine aujourd'hui en Russie. Il a complètement détruit les oppositions, il a, il a affirmé, affirmé un pouvoir unilatéral, et on ne voit pas, y compris au sein de, euh, du pouvoir russe, euh, des figures qui seraient capables de, de s'y substituer. Vaguement, les États-Unis ont compris que ça pouvait être un problème, donc ils ont essayé de, de, sorte de construire une forme de, de figure alternative qui est Navalny, mais qui ne euh, prend pas du tout euh, sur le territoire russe. Et du coup, en fait, euh, ce à quoi on pousse, potentiellement, c'est un effondrement de ce pouvoir. Mais s'il y a une fragilisation à ce point importante de, euh, de Moscou, la Chine, elle est aux aguets. Elle sait très bien que là, il y a un vecteur d'influence potentielle, d'influence, euh, euh, enfin, où elle peut grignoter et prendre en fait, une puissance extraordinaire, et pas loin de chez nous, du coup. Enfin, vous voyez, alors, ça peut passer par mille choses ça peut passer par des stratégies de colonisation dans l'Est. Euh, Enfin, dans la Sibérie euh, orientale, ça peut passer par euh, des stratégies d'influence au sein de Moscou, à travers notamment euh, une, un certain, une partie de l'élite moscovite qui, quand même, provient de territoires qui sont euh, euh, du Caucase et, et, et de l'Est du Caucase, donc, qui ont une sensibilité, notamment vis-à-vis -vis de la Mongolie et compagnie, qui peut être instrumentalisée. Et cette dimension-là, en fait, on fait comme si de rien n'était, de toute façon, euh, on ne réfléchit pas aux ouais, euh, au risques. Que l'absence d'alternative du pouvoir poutinien euh, présente et au risque géopolitique profond, pas de la géopolitique amateur là, comme, on, comme, comme on en fait sur les plateaux télé, euh, que ça peut engendrer euh, pour le continent européen. J'aimerais revenir sur votre livre. Pour Emmanuel Macron, je le cite, la, fout, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Pour vous, ça. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même plaidé devant le Conseil constitutionnel euh, sur cette élection-là. Il y a 80% d'abstention hein, en enfin, législative. Je veux dire, euh, la légitimité de, de Gugus, qui se font élire par quelques milliers de personnes, euh, elle ce n'est elle est, elle, pas qu'elle est proche du néant, c'est qu'elle est inexistante. Enfin, aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs. Quand Anouna euh, euh, traite comme il traite euh, Louis Boyard, c'est un symptôme. Enfin, Qu'est-ce qu'un député aujourd'hui Rien du tout. C'est du néant absolu. Donc, la légitimité d'un député est inexistante. Enfin, le système politique est complètement effondré. Donc, euh, là, Macron, il essaie de s'inventer une histoire parce que, qu'il lui, lui, enfin, sent très bien. En fait, s'il en parle, c'est que lui-même a conscience qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, non, aujourd'hui, euh, euh, la légitimité, qui est un, un terme compliqué, parce que, en fait, là, on est sur une question qui est plutôt de l'ordre du rapport de force. Qui a la force aujourd'hui Et en fait, on rentre de plus en plus. Dans cette question-là, -à, que à qui, à qui euh, le pouvoir ira, à qui aura la force. C'est pour ça que moi, moi, je pousse à une organisation du peuple euh, dans une perspective révolutionnaire ou insurrectionnelle, parce que sinon, il va se faire euh, piller. Il va se faire piller. Aujourd'hui, je ne vois pas d'alternative politique dans les forces institutionnelles euh, existantes euh, qui permettent de nettoyer les écuries d'Ogias, en gros, et qui permettent vraiment de rendre une partie de ce soin au peuple et de régler les problématiques auxquelles on est confronté, de manque croissant de ressources, dans l'édissement de nos vies, et ainsi de suite. Et donc. Au moins, il faut se reprendre en main, enfin, tout simplement. D'accord. Et vous pensez pas que c'est, justement une, finalement une crise d'autorité Oui, mais qui est liée à quoi Qui est lié en fait à, à une corruption tellement généralisée mmh. que vous finissez par ne plus avoir les moyens de cette corruption, mmh. et donc du coup, en fait, vous n'arrivez plus à tenir le territoire. Ça, que Emmanuel me... Macron, est-ce qu'il est qu a vraiment du pouvoir, comme on disait tout cela bah là, on voit quand même qu'il est en train de se faire lâcher sévère. Hein. Enfin, c'est intéressant. À un moment donné, on l'a utilisé, on l'a poussé à piller au maximum les populations françaises, d'où la réforme des retraites en question. Et une fois qu'on arrive au bout, bah, on trouvera quelqu'un d'autre. Enfin, enfin, le problème du, du système, c'est sa capacité à se régénérer. Problème qui a lui-même donné lieu à l'émergence d'Emmanuel Macron, souvenez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un système qui, est, qui en fait est devenu tellement euh, accaparant en termes de ressources, qui a besoin de tellement de ressources pour se. Pour s'alimenter, qu'il a de plus en plus de difficultés à faire émerger des alternatives qui, en fait, suscitent du désir et compagnie, d'où aussi l'inanité absolue de ce gouvernement et l'incapacité de Macron ou de qui que ce soit de, de proposer des gens euh, qui suscitent une forme de respect auprès de la population, de fascination, de désir, qu'on m'explique. Euh, qu'on m'explique comment euh, Marlène Schiappa est devenue ministre, et qu'on m'explique comment cette personne-là, à un moment donné, a pu considérer euh, être récipiendaire d'une autorité quelconque. <laughs> J'ai eu l'exemple, là, j des... parce que y a des... je connais des gens euh, un peu partout, et donc des policiers qui me racontaient la visite récente de Marlène Schiappa dans un commissariat, mais parce qu'elle est quand même secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur, donc... — Elle a un petit peu disparu, d'ailleurs. — Mais c'était une, une blague... Enfin, euh, c'est-à-dire que tout le monde se fichait de sa tête en, parmi les policiers. Enfin, vous voyez, il y avait un truc en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fout, là C'est ridicule », etc. On parle de quelqu'un qui est censé avoir une... une — autorité. — Une autorité, une forme de... Mais, mais en même temps, vous, vous, vous promouvez ministre, euh, une femme qui ne s'est démarquée que par la publication de romans pseudo-érotiques où elle exotise des Noirs pour, pour, pour raconter ses fantasmes. Enfin, c'est... Euh, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Un niveau d'intelligence qui, qui est quand même très faible, un niveau d'expérience et de vécu qui est inexistant. Et c'est là aussi où on se plaint beaucoup de la dégradation du niveau. Bon, c'est un, le fruit de la corruption, et deux, aussi le fait de la perte de rapport à l'histoire de la France. Des gens qui ont fait la guerre, bah, évidemment, ils ont un rapport autre. Moi, je considère qu'en fait, le, le moment de bascule euh, et de déracinement des élites politiques vis-à-vis -vis des Français, c'est au moment où la génération de la résistance meurt. C'est-à-dire que et passe le relais. C'est-à-dire que là, on bascule sur quelque chose où on a des gens qui n'ont plus vécu, plus vécu l'histoire avec un grand H, et qui euh, n'ont plus du tout le même rapport à, à la nation, à l'État, à, à leur fonction. Et, euh, et ça, c'est encore une fois, c'est transpartisan. Enfin, c'est pas une question de. Donc, Chirac de... était le dernier grand président. Non, parce que même Chirac, il était déjà dans un. Vous voyez, enfin. Ce non, du connu... pardon. Parce que Chirac. Et Mitterrand, ce n'est pas tant un grand président que quelqu'un qui avait la patine pour euh, incarner la fonction. Euh, moi, je ne pense pas que c'était un grand président, plutôt l'inverse. Euh, je pense qu'il n'est pas du tout quelqu'un d'incarnant euh, d'une forme de noblesse euh, politique, plutôt l'inverse aussi, plutôt un, un bourgeois de la politique, ce qu'il a toujours été, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, on le sait, avec ses allers-retours et ses atermoiements et ses tentatives de. Mais du coup, en fait, cette traversée de cette période euh, l'a amené à vouloir faire des synthèses, à à vouloir trouver des équilibres, à vouloir s'adresser au pays dans son ensemble. Le dernier qui a eu un vrai, euh, qui, qui a vraiment été confronté à l'histoire, mais euh, enfin qui, qui était malheureusement trop suffisant et un de lui-même, euh, et de droite. Pardonnez-moi, c'était Giscard qui, euh, c'est assez extraordinaire qu que c'est été à ce point. En fait, je pense qu'il il, il a, il a, s'est vu en roi d'où le fait qu'il partait pendant des mois pour faire des chasses, enfin, vous voyez, et coucher avec la femme du président centrafricain, enfin, des choses vraiment parce qu'il pensait en fait à une forme de permanence de la, mais vous voyez, mais c'est paradoxal parce que je pense qu'il pensait à une forme de permanence de la France. Euh, je pense qu'il n'avait pas du tout pris conscience de la bascule qui a été le choc pétrolier, et, ce, qui, ce qui explique d'ailleurs des décisions qu'il a prises complètement erronées par rapport aux États du Golfe qu'on paye encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a soutenu notamment la monarchie saoudienne lors de la prise de, de la Mecque, dans mon souvenir, euh, contre euh, des fondamentalistes qui essayaient de, de remettre euh, le, en jeu le pouvoir, ce qui nous a liés en fait. Enfin, C'était un moment en fait où, où ces puissances émergeaient et il fallait décider entre garder la main sur les ressources ou créer des, euh, des élites fantoches euh, qui aujourd'hui euh, font n'importe quoi avec leur argent, argent qui est le nôtre, enfin, fin, fin, je veux dire, parce que nous qui payons le pétrole et le gaz, et on a accepté en fait cet absurde... Euh, gestion de, de ressources dont on dépendait fondamentalement au lieu en fait d'imposer euh, un accès direct à elles euh, sans avoir à passer par ces euh, rapports de corruption bon, bref ça, ça j'ai détaillé dans d'autres euh, dans d'autres textes mais euh, Giscard du coup je pense qu'en fait il prend pas du tout conscience qu'on a un moment de bascule qui est presque technologique enfin vous voyez qui est lié à, au, à nos à nos à nos ressources enfin euh, à la façon qu'on en avait de s'approvisionner en énergie et compagnie donc il, il s'installe un peu dans son truc mais pourtant c'est quand même quelqu'un qui euh, si on regarde son parcours, il est rentré dans la résistance à 17 ans, participe à la libération de Strasbourg. Vous voyez qu'il y avait une, une potentiel, Enfin voilà, qui a traversé des choses avec un courage, etc. Voilà, il lui a manqué. Enfin, euh, il a été un peu trop fat, un peu trop satisfait. Mais. Euh, mais, mais, mais ouais, ouais, ouais. Enfin, après, euh, non, c'est pas. Enfin, il y avait. Euh, non, parce que sinon, je pourrais vous parler de Pompidou, qui était une catastrophe aussi, mais bon, qu'importe, on ne va pas refaire l'histoire de la Ve République. <laughs> je vous cite encore. Il n'y a pas à être. Plus prostituable au sein de ce système que son petit soldat par excellence, le gardien de la visibilité, le détenteur de ses clés, le journaliste français. Mais bien sûr, bien sûr. En fait, c est, c est parce que c'est le, le sommet d'hypocrisie le journaliste français. Pourquoi est-ce qu'Anouna a gagné face à Boyard Pourquoi est-ce qu'en fait, il a doublé ses audiences à, en quelques semaines après cette, cette, cet épisode lors duquel, pourtant, il se montre d'une vulgarité crasse, lors duquel Louis Boyard, pourtant, a potentiellement raison idéologiquement parlant, enfin, il dénonce un scandale qui existe, il dénonce l'emprise d'un milliardaire sur... Eux. Parce que euh, Anna est sincère à ce moment-là. Là où aucun journaliste ne l'est, il dit « bah ouais, moi je ne pas la, 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 la main de celui qui me nourrit ». Il dit « bah ouais, moi je suis un employé de Bolloré, voilà, je l'assume ». Et en fait, vous demandez... Et, et, et mes, mes camarades, ils font pas ces scandales quand ils vont parler au monde hein. Ils ne font pas ces scandales quand ils vont parler à l'IB. Ils ne leur disent pas, mais vous êtes les employés de Drahi, vous êtes les employés de Niel. Donc, il n'y a, a rien de plus insupportable que cette hypocrisie du journaliste du Monde ou de, de l'IB, ou de BFM compagnie. « compagnie. Ah non, moi je suis indépendant, moi je reçois jamais d'instruction, etc. Non, t es, t es, mon pote, tu es le valet d'un oligarque. En fait, tu es l'employé d'un milliardaire. Et en fait, tu, tu fais le boulot qu'il te demande de faire. Et si tu faisais autrement, tu te ferais virer. Et c'est juste parce que tu n'essayes jamais de le faire que tu ne t'es jamais fait virer, que as jamais pris, tu ne t'es jamais pris de coups de pression. Tu es tellement inséré déjà dans le système, tu es tellement dépendant de ce système, tu es tellement euh, vassalisé et en besoin de cette reconnaissance que le système t'offre et des ressources qu'il t'offre, que tu ne t'es jamais posé la question de d'essayer de faire un pas de côté. C'est seul, seulement pour ça que tu te crois indépendant, mais la réalité c'est que tu es tenu, complètement tenu. Et c'est des gens qui font du mal, parce que c'est des gens qui, euh, qui ont un pouvoir extraordinaire de conformation des opinions, de la façon dont les gens pensent, et qui vous oriente en fait, de façon extraordinairement violente, en détruisant des vies aussi de ceux qui essaient de s'émanciper de tout ça. Et, et donc, c'est des gens qui, fondamentalement, me dégoûtent. Ouais. Et qui orientent dans quel champ bah, dans le chemin qui leur. Alors, c'est là, là où ça devient intéressant. Euh, en général, sur un non-chemin, c'est-à-dire sur le maintien d'existant. De c'est-à-dire que la plupart d'entre eux n'ont pas euh, d'agenda explicite. Voyez, il y a quelques agents euh, de l'ordre, très clairement, qui sont placés au bon truc et qui ont pour fonction d'orienter. Mais la plupart, c'est juste des, euh, des victimes consentantes et, et, et en fait, souvent même inconscientes, euh, de servir... Euh, euh, les personnes qui les servent. Mais juste, ils sont, ils sont formatés, chloroformés, ils sont passés par leurs écoles de journalisme, par des, des, des aînés qui les ont formés, qui eux-mêmes ont été formés par des aînés, qui eux-mêmes, en fait, reçoivent... Et ils ont des directeurs généraux, qui sont ceux qui donnent des instructions au directeurs de la rédaction, qui sont ceux qui donnent les, les, les instructions aux rédacteurs en chef, qui sont ceux qui donnent les instructions euh, aux journalistes, et... Du coup, personne ne sait d'où vient l'instruction initiale. Vous voyez, enfin, chacun pense euh, ou se prétend autonome, et dans tout ça, vous, faites, euh, vous nettoyez complètement euh, euh, l'influence qui vous a été euh, un chien de garde, garde. Quoi. Et vous devenez, malgré vous, et parfois de parfaite bonne foi, un chien de garde, en effet. Vous voyez et, et, euh, et pourquoi est-ce qu'il y a peu d'esprits originaux, voire aucun, qu'il n'y a pas de réelle euh, confrontation d'idées et compagnie dans l'espace médiatique C'est en grande partie à cause de cette euh, façon inconsciente qui se soumet euh, et tous les, tous les et en fait, et du coup, en fait, on, après, on, so, et du coup, on se retrouve avec des, des situations complètement débiles, comme, euh, pardonnez-moi, si les termes sont pas élaborés, mais où, où on, on s'accuse et se contre accuse d'être complotiste ou pas. Enfin, on rentre dans des trucs où il euh, n'y a pas besoin d'avoir l'intention explicite d'être au service de quelqu'un pour le servir. Hein. Enfin, il suffit de ne pas penser assez, de pas. Moi, euh, quand je travaillais à Cour International, je croyais hein, en cette euh, bah, comment ne pas croire en une institution. Euh, euh, qui vous donne un statut, qui est vénéré, euh, qui vous paye super bien et compagnie. Vous enfin, voyez, j'ai commencé avec un stage à 20 ans. Au bout de trois mois, j'étais en train de rencontrer les chefs d'état et le procureur parce qu'il m'aimait bien. Il m'a recruté dans la foulée. Je me retrouvais à avoir Wad, de, des billets et compagnie. Euh, les mecs qui sont à Paris au Georges V avec leurs cours, qui arrivent avec plein de sacs Hermès et compagnie, bah oui, on se dit c'est des salauds quoi. Enfin, c'est des sales types et ouais, euh, probablement qu'il faut les poursuivre ou quoi que ce soit. Okay. Sauf, sauf qu'elle n'est pas reconnue en fait par. Euh, en fait, elle est reconnue par <coughs> l'Occident. Non, non, toute une... l'Afrique. Une partie de l'Afrique Non, toute l'Afrique. C'est l'Afrique le, 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 et, le, le, et le continent euh, qui, qui enfin, c'est incroyable, qui a le plus cru ah oui. en la CPI et donc où il y a le plus d'États membres. Euh, après, après. Et après, c'est l'Europe. Sauf qu'en euh, en fait, ils se sont rendus compte au bout de quelques années qu'elle euh, était là juste pour, pour servir de maintien de l'ordre. Et jusqu'au moment où j'ai pas fait ma thèse des années après sur une des affaires que j'avais eu à traiter parmi d'autres, parce que quand vous êtes tout là-haut, en plus dans surplomb, vous voyez, nous n'avions pas le temps, de vous intéresser, je ne sais pas quoi. Et je me suis rendu compte que le mec qu'on avait arrêté en voyant en Germaine Katanga, un petit milicien qui a été envoyé à la CPI à y a 25 ans, euh, pourquoi Parce que le Kabila, qui était à l'époque président du Congo, de la RDC, avait euh, voulu démontrer qu'il coopérait avec la CPI, <laughs> Il a chopé un, un mec euh, du Massisi, de 25 piges, il l'a nommé général et il l'a envoyé en disant voyez, je vous envoie des généraux. Enfin donc le mec il a pris l'avion pour la première fois de sa vie, il a, il a, il a, il a entendu enfin même enfin il a vu la télé pour la première fois de sa vie. Il m'a raconté quand j'ai rentré des années après, il m'a dit mais quand je suis arrivé à ces pays, vraiment enfin j'ai vu tous ces gens en, en noir comme ça. Je me suis dit « mais c'est quoi ces corbeaux Pourquoi ils sont habillés en corbeau parce qu'il n'avait jamais vu une robe d'avocat. Enfin voyez enfin complètement il venait d'un autre monde. Et donc, quand j'ai fini par me rendre compte de l'arnaque absolue, vous voyez, ce mec n'était évidemment pas du tout le général criminel et compagnie qu'on avait... Et ça, c'est grâce à des années de recherche, de, th de thèse, et, et, et avant, dans des mémoires. Là, je me suis rendu compte que j'étais l'agent d'un édifice idéologique et d'un instrument de pouvoir euh, que je n'avais pas assez réfléchi. Et donc, en fait, y a pas de, là, il n'y a pas de complot. Juste, vous voyez, ça vous a été euh, par la mise en scène, par l'argent, par la valorisation, par... Euh, vous réussissez à créer une accroche à quelque chose qui peut fondamentalement produire des injustices. Et la très grande majorité de nos dirigeants sont comme ça. Ils sont, en fait, par bêtise, par vanité, par ignorance, se transforment en agents d'existant de d'un système qui, en fait, s'est façonné. En grande partie de façon non intentionnelle, et qui a produit des déséquilibres, et donc euh, le pillage des ressources que l'on connaît. Et après, évidemment, dedans, il y a des pervers, il y a des malades mentaux, qui sont ceux qui essayent de remettre à chaque fois des pièces dans la machine pour accaparer encore plus. Et en général, c'est ceux qui se retrouvent au sommet. Mais, mais enfin, vous voyez, dans... il ne faut pas avoir une fantasmatique euh, du fonctionnement du pouvoir. Il faut avoir une conscience aiguë de comment, en fait, on peut en devenir euh, l'agent très facilement. Vous parliez tout à l'heure de Bolloré. Oui. Vous donnez, dans votre livre, l'exemple d'Éric Zemmour. Ouais. Et, et pourquoi, en quoi, en gros, il y aurait euh, <coughs> émergé grâce aux médias Moi, il ouais, 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 moi, moi, euh, y a un truc qui n'avait pas du tout été traité dans, dans l'espace médiatique, finalement, sans surprise, euh, c'est la vente des, euh, des concessions portuaires que détenait Bolloré en Afrique de l'Ouest, euh, qui a été faite, en fait, euh, grâce à l'Elysée, euh, un conglomérat italien en, euh, et euh, qui faisait partie du deal euh, qui a été passé, selon moi, entre Bolloré et, euh, et l'Élysée, qui euh, consistait, euh, après un rapport de force mis en œuvre par Bolloré, notamment pour des questions d'intérêt, en partie aussi pour des questions idéologiques, parce que je pense que Bolloré a un attachement sincère à une forme idéologique qui est proche de celle de Zemmour, mais quand même, en grande partie, pour jouer un rapport de force qui lui permette, face à la machine à Prétation, qui était créée par Xavier Niel, Bernard Arnault et compagnie, qui eux sont très très proches euh, de, du pouvoir actuel, Bolloré l'était beaucoup moins, euh, qui consistait en fait à jouer un, un jeu euh, qui a, à mon sens, euh, euh, eu pour fonction, et en tout cas pour effet, euh, de renforcer paradoxalement euh, l'Élysée euh, contre Marine Le Pen, et qui a fait de Zemmour un instrument qu'on a promu le temps suffisant pour euh, faire craindre à l'Élysée une sorte de montée, etc., da, 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 qui a permis de, diaboliser, euh, de dédiaboliser... Enfin euh, bref, qui a produit toute une série d'effets politiques sur lesquels on ne peut pas revenir. Et au moment où, en fait, on a fini par trouver un accord, ce qui a amené notamment à la vente des, des, des concessions euh, ouest-africaines, bah, là, on a débranché euh, Zemmour. Il n'était plus euh, sur CNews. news. Euh, C'est à ce moment-là, tout d'un coup, que les polémiques émergent. On a attendu jusqu'en septembre 2021. C'était quand même relativement tardif. Et, euh, et comme par hasard, bah, ça devient beaucoup plus difficile pour lui. Et il a beaucoup moins de relais de visibilité. Et, euh, et du coup, en fait, cette, cette sorte de montée qui était, avait atteint jusqu'à 15%, ça redescend. La baudruche se dégonfle, et, euh, partiellement. Et, euh, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Et, euh, et je pense que Zemmour a eu un mélange de, de naïveté, d'acceptation de son rôle dans, dans ce jeu oligarchique. Enfin, euh, c'est quand même quelqu'un qui était employé de Dassault pendant, pendant 25 ans et qui sait très bien. Euh, il, euh, voilà, pourquoi on lui a laissé cet espace dans, dans cette. Dans cette maison et, et à quelles conditions ils pouvaient le garder. Voilà. C'est un peu. Enfin euh, voilà. C est, et, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, par contre, c'est que je l'ai annoncé. Enfin, parce que là, maintenant, c'est facile de dire non non, Mais je me souviens d'une conférence que j'ai donnée, je pense, en, en octobre 2021, où j'explique ça et je dis ils vont le couper. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Rambrouco. <laughs> On finit sur Zemmour. Voilà. Merci. Oh, vous avez un, un mot de la fin bah ouais, quand même, je pense que c'est important de vous dire qu'il qu faut tenir collectivement, il ne faut, il faut pas se laisser aveugler, il ne faut pas se laisser séduire euh, euh, par un discours quel qu'il soit, y compris le mien sans, sans, sans esprit critique, mais faut, je pense qu'il est vraiment venu le temps de s'organiser, de commencer à, à prendre conscience qu'on est à un moment de bascule où on risque de passer du côté des esclaves de, de, de cette mondialisation, de ce système contemporain. Et, et qui serait la conséquence de la perte de souveraineté euh, définitive de ce pays, perte de, perte de souveraineté qui serait la conséquence d'un pillage tellement exacerbé de nos ressources qu'on finira par ne plus savoir fabriquer de la beauté, de la différence, de l'énergie, de l'amour, etc. Il et faut vraiment se reprendre en main. Et, euh, et quand je vois. Enfin, euh, vu que je suis sur un média qui est écouté par une, une partie euh, de ce qu'on considère être l'extrême droite, quand je vois les pertes d'énergie. Euh, de gamins qui, qui s'amusent à, à se friter avec des gauchistes ou des antifas à Lyon et compagnie, fin, qui pensent que c'est là leur devenir, fin, les mecs, euh, réfléchissez plus large et dites-vous que là, il y a, y a des ennemis autrement plus importants et, euh, et, et, euh, et difficiles à, à basculer, mais c'est dans ces directions-là qu'il faut commencer à réfléchir, c'est n'est pas dans, dans les querelles idéologiques qu'on pourra régler. Euh après, on deviendra probablement ennemi, hein, Dans un deuxième temps, moi, je serais ravi de, enfin, ennemi au sens actif du terme. Je serais ravi de me confronter à vous de façon active. Mais euh, là, les cocos, euh, réfléchissez à votre capacité à tout simplement exister politiquement. C'est plus euh, la question de qui, qui est votre adversaire ou pas. C'est vraiment, est-ce qu'on va vous laisser encore la chance euh, d'avoir une existence politique et une, oui, une forme de souveraineté. Merci Juan Manko, Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer cette vidéo. Encore un grand merci à vous, Ron Branco, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça a été très long de vous inviter. Et très bonne soirée à tous.